Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous, bonjour. Ah, les restes là sont n'importe comment, mais bon. Connectez-vous. Bonjour. Je ne sais pas si c'est la bonne lumière. Connectez-vous. Voilà, je ne sais pas si c'est la bonne lumière. Il fait chaud. Je me lève d'abord. J'ouvre les fenêtres. Connectez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, c'est Loni Monté. Bonjour. J'ouvre d'abord les fenêtres. Parce qu'il fait chaud. Je mets un peu la lumière ici, si elle est forte, vous me dites. J'ai comme l'impression que c'est un peu flou. Ça va? Non, c'est flou. Bonjour. Bon, je suis dans ma cuisine. Je suis en plein travaux, comme je vous ai dit. Bonjour, Monica Diaz, tu as mon soutien. Merci, Lolo Gloria. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Partagez au maximum. 5 550 personnes en ligne avant de partager. Lydie, ma petite, bonjour. Ah, bonsoir, Nayel. Je suis un peu fatiguée, je vais un peu vous raconter ce que j'ai vécu aujourd'hui. Écoutez, j'étais à Château-Thierry. Bon, l'état de santé de mon mari ne va toujours pas bien. Cette fois-ci, on a commencé à parler de la mort, de l'enterrement. Tout ça, donc, c'est dur de vivre ça, mais bon, je fais avec, c'est le quotidien. Entre temps, je suis aussi en train de faire des travaux, donc j'ai pas assez de temps. Je vais un peu tourner, hein. Je fais les petits travaux. Donc, même si vous voyez n'importe quoi, ne faites pas les captures d'écran. Vous voyez, j'ai commencé. Vous voyez, j'ai commencé, c'est un peu, c'est sale partout. J'ai commencé, ça c'est la cuisine. Donc, c'est juste le petit là que je peux vous montrer. Comme c'est pas, voilà. Donc, on est en train, vous voyez, c'est sale partout. Donc, pour ceux qui font les captures d'écran, là, vous voyez, tout est encore emballé. Voilà. Tout est encore emballé. Mais, c'est pas de ça qu'il s'agit. Vous voyez, tout est encore emballé. C'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, si mon portable tombe un jar, là, ne dites pas que... Ne faites pas les captures d'écran et puis vous êtes même libre. On va aussi parler en attendant le nom. Ok. C'est quoi? J'avais le portable si bien ici. En attendant le nombre, je fais d'abord la pub de deux soirées que je vais assister. Deux soirées. Je vais commencer à faire la pub au mois de... Comment on appelle ça? D'octobre. Parce que je suis un peu sur... On dit subooké. Ça, ça fait ça. Tout à l'heure, c'était bien, non? Oh, purée. Je suis un peu subooké. Bonsoir, Sarah. Bonsoir, Madra Egri. Bonsoir, 550 personnes en ligne. Et puis, je commence. Je suis un peu subooké. C'est pas... Le portable, il n'est pas joli, là. Donc,
par l'état de santé du père de mon enfant et par mes travaux. Voilà, c'est pourquoi je ne fais pas la pub, mais Flore avait fait l'erreur, elle m'a envoyé 3 paquets de billets, parce qu'elle m'avait envoyé 2, entre la tête qui n'est pas normale, les tracasseries de part et d'autre. Donc, elle m'a demandé, je lui ai dit qu'elle m'avait envoyé 2 paquets, un seul paquet. Donc, quand on s'est retrouvé au deuil du grand frère, en venant, plus moi j'ai un vide de poche, je me suis rendu compte que c'était 3 paquets. Et tout de suite, je lui ai fait part de ça. Et j'ai vendu un paquet. Donc, voilà, j'ai vendu un paquet. Mon association, les Lovely Sisters en Broda, on en a pris un paquet. J'ai pris un paquet avec mes amis qui n'ont rien à voir avec la réunion. On s'est entendu. Malheureusement, certains sont en train de désister, mais c'est pas grave. Ce qui est sûr et certain, les billets sont en train de partir. Les billets sont en train de partir. Je n'écrirai pas, je ne montrerai jamais les noms. Voilà, les gens qui ont pris les billets. Mais sinon, c'est en train de partir. Même si on est 3 sur notre table et qu'on paye le montant, c'est bon. On n'a pas envie de... Moi, je n'aime pas me faire voir. Donc, j'ai une fête le 2 novembre. La soirée, donc l'ouragan 2024, acte 2, by la MAFO, Flore de Lille, avait pour musicien Serge Polo, que j'aperçois là, Benzignan, je ne vois pas bien, je vais lire un peu, je vais allumer, je vais lire, excusez-moi. Je fais d'abord la présentation des soirées. Donc, avec vos musiciens dont le plateau est complet. Dans le plateau, il y a le Douala, il y a le Bamleke, il y a la Betty et Soul Fadil. Je pense que Soul Fadil, le sorcier, c'est un Aoussa. Donc, bref, Flore de Lille a fait un très beau plateau. Et je ne pense pas qu'avec ce genre de plateau, ça fête... peut taper poteau. Parce que la fête d'abord, c'est le plateau. La fête. Quand une fête doit réussir, il faut d'abord chercher des bons musiciens. Des musiciens de charme. Il faut d'abord les chercher. Donc, les billets sont à 100 euros. Vous voyez Flore, vous voyez n'importe qui, les billets sont à 100 euros. Mais moi, mon deuxième billet que j'ai, je veux être avec 3 personnes maximum, même si c'est la table de 1000 euros, 3 personnes maximum. C'est-à-dire, les 3 personnes, chacun va donner 100 euros et le reste, je gère. Donc, c'est ma part de contribution. Je n'arrêterai pas de dire pour me pardonner auprès de la vieille maman que j'ai insultée, qui est maman Anna. C'est pour cette raison que je le fais. Elle ne m'a pas obligée. Je ne l'ai pas obligé à le donner. Mais je le fais parce que cette maman, vous savez, quand vous insultez une personne, elle ne vous répond pas. Ça fait plus honte. Le silence que vous voyez tue. Donc j'ai eu honte. Quand j'ai fait ça à cette maman, elle ne m'a jamais répondu. Donc pour me rattraper, je vends des billets. Donc j'ai pris 2 paquets de billets. Ça c'est pour mon association, les Lovely Sisters en Broda. Et là, si j'ai 3 personnes à 100 euros, le reste, je m'en occupe. Voilà. Et j'ai aussi la soirée du 9 novembre, donc le même 9 novembre, avec pour musicien dans les 30 ans de Benji Mateke. Benji Mateke est d'abord mon frère de Bonaberry. C'est pas mon frère de... On se connaît depuis le Cameroun. Donc, c'est mon grand frère, Benji Mateke. C'est 30 ans de carrière. Organisé par un autre grand frère, le promoteur Alain Ndichou. Donc, les billets sont à 100 euros. Il y a les billets de 100 euros qui sont en vente chez moi. Qui sont en vente chez moi.
Et il y a les billets de 50 euros. Donc, mon association et nous, et moi, autant pour moi, nous avons pris un paquet. Voilà. Les Lovely Sisters vont faire leur première sortie le 2 novembre. Et leur deuxième sortie le 9 novembre. Et la fête de Flore sera, parce que c'est comme ça qu'on organise, non? Le 2 novembre, la prestigieuse nuit de l'ambiance aura lieu où? Ils n'ont pas mis. Au 95 avenue de la Liberté à Nanterre. Pour faire une fête à Nanterre, c'est pas donné. Et ça va réussir. C'est une très grande salle avec ce beau tableau. Ça va réussir. Donc le plateau d'abord est... Et la fête de les 30 ans de Benji Mateke, c'est le 9 novembre 2024. Et ça aura lieu à l'espace Noisy-le-Sec, au 14 rue de la Pointe, 93-130 Noisy-le-Sec. Les 30 ans de carrière de Big Benji Mateke. Le Big Benji, donc, nous avons deux soirées. Pour ceux qui veulent venir, les ventes de Benji sont en vente chez moi. Et les billets de Flore sont en vente chez moi. À une condition, sur la table de 1000 euros. Je dis et je réitère, je veux maximum 3 personnes. Sur une table de 1000 euros. Parce que déjà, je vais payer le reste et moi, je serai avec mon association. Donc, je paye le reste, je serai entre cette table et mon association. Il y a une dame qui m'a déjà donné 200 euros. Ça, c'est mon association. Vous voyez, les gens ont déjà pris. Vous voyez, ça, c'est mon association. Ici, il y a une dame qui m'a déjà donné 200 euros. Parce que je lui ai expliqué ce que je veux faire. Vous voyez? Elle m'a donné 200 euros et elle m'a gardé une bouteille de Jack Daniel. Merci beaucoup, ma chérie. Donc, nous encourageons l'entrepreneuriat. Nous ne sommes plus dans le Congo, ça. Alors, il y a une histoire d'audio qui est sur les réseaux sociaux. Ça m'embête beaucoup parce que je vois un peu partout les caricatures et des mauvais posts sur la personne de Monica Jazz. Ce ne sont pas mes amis. Je vous ai toujours dit que sur Facebook, moi, je n'ai pas d'amis. J'ai deux petites sœurs sur Facebook. Coco et Rêve. Ça me suffit. Je dis bien, ça me suffit énormément. Ça me suffit. Alors, quand on a les petites sœurs qui viennent vers nous, comme Monica Jazz, comme certaines d'autres personnes, parce que j'entends parler des noms des gens, les Bertrand Chic Saumon qui m'a insulté, qui a voulu que je sois dans un direct avec lui, j'ai refusé, il s'est mis à m'insulter, je ne parle pas avec des gens, je n'insulte pas les gens que je ne connais pas. J'ai toujours dit ça. Et sur Facebook, j'ai une seule cible, ma Pam. Alors quand ma Pam fait quelque chose qui n'est pas bon, je parle, je sors, même si je n'ai rien à dire. Comment on peut faire pour mettre ça? Même si je n'ai rien à dire, je sors, je parle. Parce que ma femme, c'est une mauvaise personne. Ma femme, c'est une mauvaise personne. Donc, quand il s'agit de ma femme, mon cœur bat plus fort que tout. Bonsoir Nadine Dingue. C'est mon téléphone, donc je teins l'autre lumière. Non, c'est la grande lumière, comme je suis en travaux. Donc, mon cœur bat plus fort. Ok. J'ai écouté les audios. Je voudrais bien que ma Pam nous dise à quel moment. Je suis une fille bassa. Monica Jazz a parlé en bassa. Je veux vous décrypter, ne serait-ce que c'est que, comment on appelle,
C'est pas Lolo qui vous dépasse, c'est Choupite à la merveille a fait comme montage. C'est juste là que je vais partir. Et je vais vous rappeler que sur Facebook, il y a eu beaucoup de teams. Beaucoup de teams se sont arrangés. Beaucoup de teams se sont dérangés. Donc, un jour, on rit, un jour, on pleure. Donc, c'est ça les teams. Lolo était amie avec ma femme. Elle est devenue ennemie avec ma femme. Elle est redevenue amie avec ma femme. Je me souviens pourquoi aujourd'hui on déteste Lolo. Parce qu'on avait dit à Lolo de m'insulter. Lolo a dit qu'elle ne m'insulte pas. Ça, c'est resté dans ma mémoire et ça ne changera pas. D'où j'ai du respect pour Lolo. On a vu Flore de Lille et Lolo bagarrer ici. Aller même partout. Monter et descendre. En guerre. Mais aujourd'hui, elles sont les yam sœurs. Donc, quand il y a la paix, essayons de respecter cette paix. Essayons de les accompagner dans leur paix. Quant à qu'elles me déçoivent, qu'elles déçoivent, qu'elles nous déçoivent, je parle de tout le monde. La paix est bien. La paix libère. Aujourd'hui, quand quelqu'un m'attaque, je dis qu'il y a Flore qui est là, il y a Lolo qui est là. Nous sommes dans le « aide-moi à détester » en ce moment quand nous sommes sur Facebook. Moi, quand j'ai connu Monica Diaz, c'était lors de notre première rencontre avec la team de la vérité par rapport au problème de M. Missan. Je ne l'avais jamais vu, je ne l'avais jamais écouté. Et le comportement qu'elle avait affiché m'a attiré vers elle. Mais jusqu'ici, on est là. Quand je vois en direct et qu'elle est en direct, et si elle veut entrer, si le sujet m'intéresse, j'entre. Si le sujet ne m'intéresse pas, je passe et peut-être je partage. Avant, je partageais leur direct, mais je me suis rendu compte que tu partages le direct de quelqu'un, il ne partage pas ta part. J'ai dit non, ça c'est des gens vraiment, peut-être qu'ils sont là pour autre chose. Bon, bref, ça ne me concerne pas. Monica Diaz, dans les commentaires, dans ses directs, d'avant, avait dit qu'elle connaissait, mais ma pampesse. Elle avait dit, elle connaissait ma pampesse. Elle était sympathisante de ma pampesse. Quand ma pampesse a commencé à insulter Monica Diaz, il n'y a pas longtemps, elle a dit qu'elle ne connaissait pas Monica Diaz. Monica Diaz s'est levée et dit, ma pampe, tu dis que tu ne me connais pas. Donc, c'est ces deux personnes qui se connaissaient déjà. Ces deux personnes qui se connaissaient déjà. Ces deux personnes qui échangeaient déjà. C'est comme ma Pam, pendant qu'elle parlait, elle était amie avec Flore de Lille. C'est comme ça qu'elle allait gnoxer, excusez-moi du terme, avec Coco Kouetou. Elle va m'excuser. Je s'assois comme ça sort. C'est comme ça qu'elle avait organisé... Créer la page sur la personne, une page pour insulter Flore avec son frère, avec sa famille. Nous n'avons pas oublié ça. On peut être avec tout le monde et savoir ce qu'on sort de nos bouches. Ou savoir comment jouer. Ou savoir respecter les relations de part et d'autre. Vous qui êtes en train de faire les caricatures, vous qui êtes en train d'insulter, est-ce que vous vous souvenez que Monica Diaz s'est levée? Elle a insulté. Elle est entrée dans la famille de Mbunkena. Si vraiment elle était encore en contact avec ma femme. Ma femme qui avait pour fille Mbunkena. Que vous appelez si c'est Nicole de quoi. La sérologie, mon combat. Celle qui a passé le temps à insulter les gens. Regardez d'abord la manipulation. Ok, Monica Diaz était l'amie de ma femme. C'est bien. Mais Monica Diaz est en train d'aller, puisque c'est Monica Diaz qui nous sort ici, qu'on a arraché l'enfant de Mbunkena. C'est Monica Diaz qui fait en sorte que Mbunkena arrête d'insulter Lolo. C'est Monica Diaz.
en sortant des choses sur elle. Juste à entrer dans la famille de Mbunkena. Vraiment, vous croyez que si elle était amie avec Mapam, hein? Si elle était vraiment amie avec Mapam, l'amour que réserve Mbunkena à Mapam, ou que Mapam, supposons qu'elle soit vraiment, qu'elle s'aime vraiment, est-ce que Mapam ne devrait pas dire à Monica Diaz d'arrêter d'insulter sa fille, étant donné que c'était ses deux filles? Je pose une question, hein. Les audios datent de quand? Ce n'est pas parce qu'on a entendu que mais y a une omelette étoile, je voulais t'envoyer les étoiles, mais de l'autre côté, je ne voulais pas qu'on sache. C'était à quel moment? Puisqu'elles sont amies depuis. Donc ça veut dire que Mapam était d'accord que Monica Diaz détruise la vie de Nicole Ketcha. Ça veut dire que qui est mauvais? C'est Mapam la mauvaise. Pourquoi elle apporte la manipulation? Pourquoi? Et j'entends dire que c'est les enregistrements. Non, ce n'est pas les enregistrements, ce sont les audios. Ce sont les audios, ce n'est pas les enregistrements. Elle laisse, l'autre laisse. Elle laisse l'autre reste, laisse. Mapam ne sait pas enregistrer. Si lui, elle vient d'apprendre ça, elle peut enregistrer de deux portables. Elle peut enregistrer de deux portables. Mapam. Si qui dit 550 personnes en ligne, vient savoir comment on enregistre, comment on manipule un téléphone. Mapam le sait. Et vous allez croire à ça. Je ne veux pas que vous acceptez ce que je dis, hein. Mais à un moment donné, j'ai dit, essayez un peu de regarder la réalité en face. Moi, j'ai souvent eu, je vais encore le redire aujourd'hui, les problèmes trop graves avec Coco. Avec Rêve, ce n'est pas encore arrivé. Les petits boudages, ça peut arriver vite fait. Mais jamais, Lolo ne s'est jamais mise et nous fait faire la paix comme elle a fait faire la paix. C'est-à-dire, je n'ai jamais eu des problèmes avec Rêve. Comprenez bien, hein? Qui pourront pousser quelqu'un à venir mettre la paix entre nous. Mais j'ai déjà eu des problèmes avec Coco, au point où on s'est même déjà bloqué. C'est Lolo qui se lève, qui dit que non, je ne veux pas ça. Pardon, il ne faut pas que les gens sachent. Il ne faut pas que, surtout quand il y a eu le problème de ma... La fille qui a la grosse tête là, qui a changé les lunettes là, comment on l'appelle même? Mère Daloa. Surtout quand il y a eu ce problème, Coco et moi, c'était fort. C'était fort qu'on avait, chacun disait, je ne veux pas, je ne veux pas. Lolo a beaucoup bagarré. Voilà le rôle d'un leader. Si vraiment les deux sont tes filles. Si Mapam, Nicole et, comment on appelle, et Monica Diaz étaient les enfants de Mapam. Mapam n'allait jamais laisser que Monica Diaz détruise la vie de Mbunkena. Parce que c'est quand Monica Diaz entre dans Mbunkena que Mbunkena arrête d'insulter Lolo. Arrête de dire comment mon fils est en prison. Arrête de dire comment on m'a chassé. Arrête de dire ceci. Elle est quittée sur Lolo. Maintenant, elle a commencé la sérologie, mon combat. On a tous compris que c'est son combat. On ne sait même plus si elle existe ou pas. Elle qui disait qu'on m'a chassé de la maison, on ne sait même plus si elle est quelque part, où elle dort sur les ponts, ou c'est où, comment, je ne sais pas, et de comme ça. C'est-à-dire, on raconte les gens sur les réseaux sociaux. Ça se mélange parce qu'on vient raconter du n'importe quoi sur la personne dont tu ne sais pas, tu ne connais pas. Nicole Ketcha ne m'a jamais vu. Mais maintes fois, il m'insulte. Le PD là ne m'a jamais vu du Maroc. Il m'insulte. Pourquoi vous voulez croire à ça? Pourquoi vous voulez nous détruire parce que vous entendez des audios qui n'ont ni queue ni tête? Quand il y a des choses qui sortent comme celle-là, essayez un peu de travailler vos mémoires en vous posant des questions. C'était en quelle période? Et c'était pourquoi? Et ça a commencé comment? Je vous dis bien, je suis trop fatiguée. Je suis sortie depuis 6 heures. J'étais à Château-Thierry.
Je suis arrivé là il y a moins d'une heure. J'étais avec mes mains au téléphone. J'ai passé une journée très, très difficile. Ça fait que je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais j'ai dit que cette histoire, je suis en train de voir les lolomaniens en train de s'embobiner pour rien. Moi, je dis c'est pour rien. C'est pour rien. Nous sommes de la même équipe. Nous sommes pas une personne, mais nous soutenons une seule personne. Quelqu'un qui prend son visage et venir montrer, même s'il cherche les vues, au moins il a montré son visage. Essayons un peu de respecter et soyons tolérants autant pour moi, de temps en temps. Cherchez à savoir qu'est-ce qui se passe avec Monica Diaz. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'elle a dit ça? Parce que moi, j'ai suivi les audios. Hein. J'ai seulement suivi que de l'autre côté, je n'ai jamais écouté le nom de Lolo dedans. Hein. Il y a le nom de Lolo qui sort quelque part. Hein. Si vous voulez décrypter les audios, là, le nom de Lolo n'est sorti nulle part. Hein. Bonsoir, Carole. Le nom de Lolo n'est sorti nulle part. Je dis bien nulle part. Je suis une fille Bassama, Pamebikoeb et Bakoko. Le nom de Lolo n'est sorti nulle part. Oui. Donc, ma femme qui veut nous apporter la manipulation là, parce qu'elle a vu que 550 personnes, tout le monde fait les posts. Alors qu'elle est la première à nous dire comment elle est éloquente, comment elle a de la personnalité, comment elle sait lire, comment elle sait écrire. Mais 550 personnes. Au lieu de 510 personnes, donc 550 personnes. Elle se lève, elle dit, Clarisse Eyenga, mon combat. Elle connaît Clarisse Eyenga ou pour dire que Clarisse Eyenga, son combat. Vous ne voyez pas que le karma existe? Elle allait combattre qui c'est Lolo, non? Et elle sort du jour au lendemain, elle dit 550 personnes. Dites-moi où ça se dit. Au lieu que vous focalisez sur ça, vous allez vous focaliser sur les réseaux, sur les audios qui n'ont ni tête ni queue, qui ne disent rien du tout. Vous ne cherchez pas à savoir comment ça s'est passé et quand est-ce que ces audios ont eu lieu. Je vous rappelle que quand deux amis sont ensemble, ils sont dans l'obligation de faire le Congo ça. Maintenant, c'est celle qui amène, qui est très dangereuse. Est-ce que Monica Diaz a déjà manqué le respect à Lolo un jour? Hein? Est-ce que Monica Diaz s'est déjà levée comme ça là un jour pour dire Lolo ou quoi que ce soit? Ça, c'est du avant. Protégeons-nous. Même si nous voulons nous taper, ne nous laissons pas au milieu des vampires. Battons-nous ensemble, mais n'encourageons pas les vampires à nous abattre. Parce que c'est ce qu'ils veulent. C'est ce que ma femme veut. Ma femme veut nous disperser. Restons unis. Monica Diaz aura sa punition. Ce qui est sûr et certain, si elle reconnaît avoir fait quelque chose de mal à Lolo et que Lolo reconnaît quelque chose, elles vont s'entendre là-bas. C'est pas tout le temps qu'on doit faire les problèmes. À chacun sa conscience. Je vous ai toujours dit que la conscience de la conscience de tout un chacun, le seul juge de tout un chacun, c'est sa conscience, autant pour moi. Le seul juge de tout un chacun, c'est sa conscience. On peut tromper le public, mais on ne peut pas tromper. On peut tromper une seule personne, on ne peut pas tromper le public. Ma femme est en train d'attraper ce qu'on appelle son karma. En allant monter des coups sur la personne de Lolo, elle se met, dit 550 personnes. On écrit ça comment? J'ai essayé de voir comment on écrit 550 personnes. Je n'ai pas vu. Une fille qui vient se lever dit 2 plus 3 égale 23. Vous êtes là, vous voulez, c'est elle qui va nous embrouiller. C'est elle qui va apporter le désordre dans notre coalition. C'est elle qui va apporter le désordre dans notre groupe. Je dis non. Je ne prends le parti de personne. Mais je dis, faisons très attention. Reconnaissons nos erreurs. Et
Voyons qui est la personne en face. Arrêtez de dire que telle personne a fait ça pour des vues. Ça, c'est juste pour nous distraire. Ça, c'est juste pour nous distraire, s'il vous plaît. Laissez ma femme, vous n'êtes pas Bassa, le nom de Lolo n'existe nulle part. Je dis bien, ça n'existe nulle part. Ma femme était dans la sorcellerie avec Monica Diaz. Vous ne savez pas à quel moment Monica Diaz vient chez ma femme. Il y avait Monsieur Messang avec eux, dans le couple Messang avec eux. Après, ça s'est aussi divisé. Comme Lolo, quand Lolo était avec ma femme, elle a bataillé ici. Les gens qui ont vu comment Lolo a bataillé pour ma femme sont allés. Ils sont devenus la Lolomania, les bas, si c'est là-bas, Portless, donc Lolomania. Le nom là m'a déjà dépassé, si c'est Portless avant là. Les gens qui ont vu le cœur, qui ont vu le combat que Lolo a mené pour défendre ma femme. Et le résultat, le salaire de ça, c'était quoi? C'était la médisance, le mépris, la médiocrité sur la personne de Lolo. Moi, Lolo m'a insulté. Moi, Lolo m'a insulté parce qu'elle n'avait pas compris mon sens. Mais aujourd'hui, je suis avec Lolo. Quelle qu'en soit ma position, même si je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je suis avec Lolo. Et je ne change pas d'équipe. Je dis bien, je ne change pas d'équipe. Et Lolo est la première team. Quand je dis que je suis dans une team, c'est la team de la Russie. Je n'ai jamais été dans une team. Et je dis toujours, nous sommes de la sous-traitance de la Lolomania. C'est chez Lolo que j'ai appris le respect de personne. Malgré qu'il ait eu divergence avant, mais aujourd'hui, le respect que Rêve Mbiaye me donne. Honnêtement, on ne parle pas des familles. Je pense que si j'avais une petite sœur, elle ne me donnerait jamais ce même respect. Je suis la dernière de chez nous. Donc arrêtons l'amalgame. Monica Diaz était amie avec ma femme. Elle ne refuse pas. Mais quand elle a vu que ça ne marchait pas, peut-être avait pour, par rapport à M. Messang, au couple Messang, parce qu'elle avait M. Messang maintenant, même si M. Messang a n'importe quoi, elle avait M. Messang. Je ne comprends pas si c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'elle peut se lever et jouer ce genre de jeu. Supposons que ce soit aujourd'hui. Donnons le bénéfice du doute à ma femme quand vous voulez trop le faire. Monica Diaz avait M. Messang. Elle monte, elle descend. M. Messang est au ciel. Monica Diaz veut venir au ciel. M. Messang est à gauche. Ça, ils se connaissent. Vous n'êtes pas sûr que c'est de la même team. Les Lolomania, vous étiez là-bas. Vous n'étiez pas là-bas. Vous n'étiez pas là-bas. Laissez-nous. Tranquille, ma femme, tu vas gérer tes 550, 10 000 personnes ou 10 personnes tranquillement dans ton coin. Tu ne vas pas nous distraire. Monica Diaz va rester la nôtre et on va lui dire ce qu'on pense. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. N'entrons pas dans le jeu de ma femme. Je vous donne encore des hypothèses pour que vous essayiez de comprendre. Peut-être que Monica Diaz est partie. Quand ma femme a commencé à manquer le respect à M. Jean-Louis Messang. Mais avant, peut-être causait. Elle causait. Si vous voulez, quand vous dites que c'est trop, je vais l'appeler et je vais lui poser des questions. Si elle est sincère, ça sera à vous de juger. S'il vous plaît, je ne veux pas qu'on l'insulte dans mon direct parce qu'elle me fait des directs. Elle n'a jamais accepté comme insulte dans ses directs. Essayons d'être une personne et nous ne sommes pas obligés d'accepter. Nous ne sommes pas obligés d'avoir la même opinion, mais de voir la vérité en face. Vous n'êtes pas obligés, peut-être vous vous sentez trahi, mais essayons d'écouter Monica Diaz. Même Jésus, on l'avait entendu avant de le crucifier. Oui, on avait entendu Jésus avant de le crucifier. Donc, je vous en prie, baissez les armes. Baissez les armes, essayez de comprendre, d'écouter Monica Diaz. Si elle peut entrer dans le direct, elle demande la parole, on la lui donne. Et qu'elle vienne nous expliquer où il y a eu trahison. Bonsoir, ma Fouchou.
s'il y a eu trahison ou il n'y a pas eu trahison. Parce qu'elle est la seule qui peut nous expliquer. Mais moi, je dirais, je ne crois pas. Vu ce que je la vois faire avec le couple Messin. Et une personne qui n'a pas de sentiment, la brûler, brûler comme le plantain, comme braise en route, se permet d'insulter un mort. Vous croyez que vous voulez lui donner le bénéfice du doute qu'elle est quiche? Elle est quoi dans la sauce? Soko, chacun donne son point de vue. Hein. Ce n'est pas parce que je parle que vous êtes obligé d'accepter, d'adhérer à ma pensée. Hein. Mais je dis dans la norme, je regarde, regardons le film, comme on dit, dessinons le schéma. Parce que c'est vous qui avez apporté le schéma. Monica Diaz a trahi Lolo. Donc vous croyez que elle peut, acceptons ça, vous croyez que elle peut accepter trahir le couple Messin. C'est elle-même qui m'avait dit un jour que Madame Messin était sa sœur du quartier à Idea. Avec ce que ma femme fait à Monsieur Messin. Surtout à la femme qui ne parle pas. Monica Diaz va encore parler avec ma femme par derrière et faire des cours. Ça veut dire que c'est une sorcière. Si c'est vraiment vrai, il faut qu'elle vienne nous dire si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, ça veut dire qu'elle-même est une sorcière. Mais si ce n'est pas vrai, croyez-la en parole. C'est tout. Croyez-la en parole, on va écouter ce qu'elle va dire. C'est tout ce que moi j'ai, je vous demande. Hein. Et en attendant, appelez Monica Diaz. Je vous dis que hein, les biais, si, l'affaire du 2, si, ça énerve ma femme parce que c'est carton plein. Attendez, je mets la lumière. C'est carton plein. Le 2, si, hein, le 2, hein, ça là. Au 97 avenue de la Liberté, 92 000 à Nanterre. Maman, la prestigieuse nuit de l'ambiance. Réservation. Les réservations se font au 06 79 40 59 92. Ou au 06 95 49 64 20. Ou encore, il y a trop de numéros. Les deux numéros, si vous voulez appeler. VIP, 100 euros. L'ouragan, maman, ça va faire mal. Le 2 novembre 2004, 2024, pardon. Ma femme est jalouse parce que les Lolomaniens ont pris le bâton du commandement. Les Lolomaniens sont en train de faire la pub de Sako pendant qu'elle était avec Sako. Sako a rempli la salle. Elle est juste venue faire la concurrence qu'elle a rempli la salle du Cameroun et Sako a rempli la salle de la France. Si je n'avais pas arrêté ça, elle serait en train de parler de ça jusqu'à aujourd'hui. Mais on lui a donné une petite salle comme ça. Elle a été incapable de la remplir. Aujourd'hui, elle voit comment on est en train de batailler pour que Flore de Lille réussisse sa soirée. La Lolomania est en train de faire du bon boulot. Est-ce que la TKC a réservé chez Flore un jour? Sinon, combien de personnes? Et combien de personnes réservent au nom de la Lolomania? Donc, il y a de quoi chercher à disperser des gens. Ok, après je quitte. Je viens vous parler de la soirée des 30 ans de carrière de Big Benji Mateke. Je vais m'asseoir à partir d'octobre, au début du mois d'octobre, je vais faire la pub. Les deux pubs. Les 30 ans de Big Benji Mateke à l'espace Noisy-le-Sec, 14 rue de la Pointe, 93 130 Noisy-le-Sec. Info line au 06 50 60 72 02. 06 51 48 09 29. Pour plus d'informations, la soirée c'est un samedi. Et celle de Flore aussi c'est un samedi 2. Maman, le jour de ma réunion, on va checker notre première sortie. Dans les 30 ans de Benji Mateke, il y a les billets de 500, de 50 francs CFA. Hey! Ouh! Maman, pardon, excusez-moi, oh. Pas 50 francs CFA, maman.
Il y a les billets de 50 euros. J'ai dit 50 francs CFA, maman. On va me tuer, Alain, on va me tuer. 50 euros de billets. Voilà, il y a le carnet de billets de 50 euros. Voilà ça. Et là-dedans, il y a quoi comme boisson? On n'a pas, je passe ça sur les billets. Même chez Flore, je n'ai pas sur les billets. Mais de toutes les façons, à partir du 15 même, je vais faire ces deux pubs. Donc, n'oublions pas d'encourager nos frères et sœurs de la diaspora. Flore et Alain Ndjitou. Voilà. Ça, c'était l'espace pub. Maintenant, je teins la lumière. J'appelle Monica Jazz. Voilà, je ne sais pas qui est en train d'appeler. Oui, c'est. J'espère que ça va passer. Qu'elle vienne nous expliquer. Je vais lui poser des questions et vraiment des questions pièges. Et... Monica Jazz, tu as ajouté. Bonjour, ma chérie. Bonsoir, Tatana. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec le Congo ça partout que ton nom est dehors? Tu fais le Congo ça? Maman, je vais t'expliquer comment ça se passe au début. Salut d'abord la Lolomania. Nous sommes une famille. Et tu salues la PDG et tout le monde. Nous sommes une famille. Je salue tout le monde. Hein. Je n'ai pas... En tout cas, je n'ai aucun problème avec quelqu'un. Je vais expliquer Allô. Dis bonjour à la Lolomania. Et tu dis bonjour à tout le monde, s'il te plaît, ma petite soeur. Bonsoir, Olomania, et bonsoir tout le monde. Oui, il faut aussi les comprendre. Peut-être qu'ils n'ont pas compris le problème, parce que les audios sont quand même blessants. Donc, prends le mal en patience et tu expliques ce qui s'est passé, s'il te plaît, chérie. Tatana, okay, je ne m'embrouille pas parce que tout ce que je vois, les gens me caricaturent, les gens m'insultent et les gens me traitent de tribaliste. Je vais un peu vous expliquer. En 2018, que Mapam et moi, Mapam m'a contacté pour les chaussures. Je vendais les chaussures et les vêtements. Mapam m'a contacté pour la vente des chaussures. J'avais envoyé le paquet des chaussures à Mapam, gratuit. Quand Mapam a vu le gratuit, elle a commencé à m'appeler et nous sommes restés en contact. Alors, quand les gens disent que j'ai toujours noté ici, dans Facebook, je n'ai jamais appartenu à la team de Mapam. Par contre, le contact qui est resté entre elle et moi, c'était du début de commerce. Et nous sommes restés comme ça en contact. Quand j'ai commencé mon blog Mapam, avant même, je ne savais même pas que j'allais venir soutenir les Lolomania. D'accord. C'était en quelle année? C'était en fin 2022. D'accord. Fin 2022. Oui. Parce que je clashais avec, comment elle s'appelle, la Perle de Luxe. D'accord. Alors, elle a commencé à me soutenir. Parce que j'étais en contact avec elle. Je n'ai jamais nié que j'étais en contact avec elle. J'étais en contact avec elle. Depuis 2018, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Alors, quand j'ai commencé mon blog à clasher avec Perle, elle me soutenait et je la valorisais sur ma page. D'accord. Alors, il y a une maman en Belgique qui m'a contactée. Elle a vu comment je soutenais Mapam parce que Perle la caricaturait un peu de partout. La maman là m'a dit, quitte derrière cette femme. Elle m'a beaucoup escroquée. J'ai dit que comment la femme là t'a escroquée. En fait, moi,
En ce moment, je vous rappelle que je n'étais pas encore dans, je ne soutenais pas encore les Lolomania parce que je ne suis pas dans leur team, comme ils disent. Alors, la maman là m'appelle, la maman là m'écrit sur Messenger. Elle dit que ma fille, je voudrais te parler. Je dis que oui, la mère, je suis là. La maman là commence à me rencontrer, à me dire ce que l'escroquerie de ma femme. Ma femme a escroqué la maman là en lui faisant croire qu'elle va ramener son enfant en Europe parce qu'elle a une connexion. Il y a que, en... Ça, c'est le histoire de quel âge et de combien de temps, pardon? De combien, en c'était en quelle année? C'était les trucs de début 2023. D'accord. Oui. La mère là me dit que ma femme a escroqué. Tu as commencé à être sympathisant ou de la Lolomania en quelle année? C'était vers fin 2023, ma. C'était vers fin 2023. Alors, la mère là m'explique que... Depuis vers fin 2023, là, excuse-moi, tu n'as plus parlé avec ma femme. Jamais de la vie. Je dis jamais de la vie. Je n'ai plus jamais parlé avec elle. Je t'explique, Tatana, parce que... Non. Okay, ce qui me concerne, moi, je ne me reproche de rien. Je sais que je n'ai jamais parlé mal de Lolo. Est-ce que tu comprends? Parce que je lui ai vu dire que oh, tu m'as offert les vêtements de poison qui étaient empoisonnés. En fait, j'arrive dans ça. La mère, elle me dit que quitte, arrête de t'insulter avec ta soeur Perle. Quitte derrière Ngossa. Ngossa ne te sert à rien. Tout au contraire, elle va te détruire. C'est la mère là. La mère là vit en Belgique. Et elle m'a dit aujourd'hui que quand je ferai un direct, pour le moment, elle est occupée. Quand elle sera libre, elle viendra témoigner. La mère là me dit que si je commence à insulter ma femme, elle va me donner 5, et les 500 euros là, ma femme et moi en tant qu'une bonne fille, je vais vers ma femme. Je lui dis que regarde. Et le profil là m'appelait. Moi, je ne, la mère, elle n'avait jamais conversé avec elle en audio. Est-ce que tu comprends? Parce que je dois expliquer ça. Ma femme est allée, elle allait transformer le profil, dire que c'est moi. Et les gens, je vois les gens disent que c'est moi qui ai créé le profil. En fait, je vais vous expliquer. Je vais vers ma femme. Je lui dis, je l'appelle. Je lui dis que ma femme, Ngossa. Est-ce que la maman là pourra témoigner ce que tu es en train de dire? Elle pourra. Parce que la Lolomania est vraiment fâchée. Hein? Tatana, je n'ai trahi personne et je ne me reproche de rien. Non, je pose une question, ma petite. Est-ce que la dame dont tu parles pourra témoigner? Oui. OK. D'accord. Alors, je dis, j'appelle ma femme, je lui dis que regarde ce que ce qu'un profil me dit ici là, que tu lui dois de l'argent et tout et tout. Elle commence à dire que la maman là ment. Et je dis donc que je vais donc faire comment, parce que la maman a juré sur Gringa. Elle a dit que Gringa ne pourra jamais avoir la paix tant qu'elle n'a pas encore remboursé son argent. Parce qu'elle lui a menti qu'elle devrait faire entrer l'enfant en Europe et elle ne l'a pas fait. Alors, la maman là, je donne le nom à la maman là. La maman là envoie, la maman, je vous conviens, la maman là a envoyé 500 euros au Cameroun pour que je me détourne vers Ngossa. Je ne l'ai pas fait. Elle et moi, on a mangé cet argent là. Ngossa et moi. Et je suis restée tranquille. La maman là continue à m'insulter et tout, d'escrocs comme Ngossa. Parce que elle et moi, on s'était entendu. D'où sortent les voices que vous écoutez? Parce que si je parlais vraiment de Lolo, Ngossa qui aime appeler Lolo des pseudonoms, pourquoi elle ne l'a pas prononcé dans les voices? C'est de cette maman qu'on parlait. Alors, parce que les voices là datent. Quand j'ai lancé mon commerce, je ne parlais plus avec Ngossa. Parce que quand j'ai la période de la maman là. Tu ne fais pas ça. Merci.
quand la période de la maman là est passée, Ngosa, elle voit comment je lance. Donc, elle et moi, on a coupé contact. Donc, on a même coupé contact avant que je soutenais. Avant que comment dire, avant que je ne commence à soutenir le couple Messang. Alors, Ngosa me voit lancer mes produits. Elle me voit lancer mes parfums. Elle m'appelle. Elle me dit qu'elle voudrait des parfums. Elle et moi, je vous avise d'abord que nous sommes restés, on a coupé contact, mais on ne s'était pas bloqué. Alors, quand elle voit mes produits, elle m'appelle. Moi, je suis une vendeuse. Pourquoi est-ce que quelqu'un viendra acheter mon commerce et je ne vais pas lui vendre les produits? Je prends son appel et elle me demande combien coûtent les produits et tout et tout. Elle et moi, on engage une conversation. Je suis une commerçante. Alors, j'ai même sauté une partie. Parce que quand j'ai commencé mon blog, Ngosa m'avait demandé d'aller clasher la mère des beaux gosses. Donc, avant même d'aller soutenir Lolo, avant même d'aller soutenir le couple Messang, Ngosa et moi, quand quelqu'un l'insultait, elle m'appelait. Elle me disait que ma fille, est-ce que tu as écouté ça? Ma fille, regardez ça. Elle m'envoyait toujours les choses. Non, je ne veux pas ça. Alors, ne lis pas les commentaires. Quand j'ai lancé mon commerce dans les réseaux sociaux, Ngosa a vu, elle m'a appelé. Elle me dit comme quoi elle voudrait acheter des parfums. Je dis que si c'est l'argent, pourquoi est-ce que je ne vais pas vendre mes produits? Je prends l'appel de Ngosa. Elle me dit qu'elle veut les parfums et tout et tout. Je dis que ok, il n'y a pas de problème. Je lui donne les parfums. Oui. Une minute. Oui. On salue d'abord notre patronne qui est là. Moi, c'est ma patronne. Hein. Nadège. C'est ma patronne d'abord. Nadège, oui, chérie. Non, je ne te vois pas. Tu es dans le noir. Tu es en train de faire. J'ai appris que tu as une nouveau show. C'est pourquoi tu es bien. Je l'entends, je le dis. D'accord. Vas-y, Monica, excuse-moi. C'était notre patron en passant. Quand j'ai lancé mes produits, j'avais déjà commencé à soutenir les Lolomania. Ngosa était au courant. Elle et moi, on ne se parlait pas. Est-ce que vous comprenez? Elle et moi, on ne se parlait plus. Je veux dire, j'ai commencé à soutenir les Lolomania. Monica Diaz. Monica Diaz. Monica. Oui, ma. Ma frangine. Oui, ma. Ce que tu es en train de dire, tu sais qu'on a en face de nous une dangereuse personne qui est ma femme. Je te pose encore une question. Parce qu'il ne faut pas qu'elle vienne nous sortir les audios comme elle a sorti ta photo. Moi, j'ai vu, puisque j'ai ton WhatsApp. J'ai vu la photo, c'est la même photo. Oui. Maintenant, tu dis que vous ne vous êtes pas bloqué. Ça peut être possible. Oui. Hein? Mm-hmm. Bon. Maintenant, il ne faut pas qu'elle vienne nous sortir que c'est toi ici. Vérifie bien tes échanges. On dit bien, on ne refuse pas que tu sois ami avec ma femme. Tu es en train de comprendre? Personne ne t'attache. Tout le monde est libre de marcher avec tout le monde, mais de savoir faire la part de choses pour que ce genre de choses n'arrive plus. Toi, tu veux nous faire croire que ces audios ne concernent pas Lolo. Oui. Hein, et que ça concerne une autre dame. Oui. Mais ma part veut nous faire savoir que ces audios concernent Lolo. Jamais. Tu comprends? C'est elle, voilà, qui le dit de sa bouche. Tout à fait. C'est Ngosa qui le dit de sa bouche. Mais dans, voilà, les audios, est-ce que vous aviez suivi le nom de Lolo ou bien les appellations même que Ngosa appelle Lolo? Non, non. C'est vraiment le Congosa de Lolo. Alors, Ngosa et moi, on reste comme ça. On ne se bloque pas. On reste comme ça. Elle me rappelle, elle relance l'appel quand. Parce que j'ai
suivi sa manipulation quand elle vient dire que c'est moi qui suis allée la chercher. Je vous rappelle que j'ai le WhatsApp de Ngosa depuis 2018, que c'est elle qui m'avait contacté pour les chaussures. Tu as ça? Mais bien sûr, elle m'avait contacté pour les chaussures. Tu mets ses mouillé, c'est mouillé. Ma chérie, ma petite, oui. Mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé oui. Sec. Tu comprends? Oui. Nous sommes tous humains, nous sommes tous Camerounais, nous sommes Africains. Hein? Oui. Tu vas sortir ces audios, tu sais faire le montage, tu fais les captures d'écran, tu nous balances les bêtises, on essaye de regarder quand et quand tout ça a eu lieu. Et pour qu'on te croie, moi, je parle de moi personnellement, tu comprends? Oui. Parce que ces audios m'ont fait tellement mal. Mais comme tu es une personne que je connais, parce que tu as derrière toi la Lolomania, hein? Tu as derrière toi le couple Messant, tu as derrière toi moi. Mais moi, comme je n'ai pas d'attache avec toi, tu vois, ça ne me dit absolument rien du tout. C'est par Monsieur Messant, le couple Messant, que je change souvent avec toi, que je te vois. On échange, tu vois. Mais moi, je m'en fous. Vraiment. Enlève le nom qu'on est en train de vouloir te donner là. Mets-nous les preuves. Tata, là, je te dis que cette femme m'a contacté. Je te dis que cette femme m'a contacté sur Messenger. Elle m'avait contacté sur Messenger par rapport aux chaussures. C'était par rapport aux chaussures. Je vais poster ça. C'était sur Messenger qu'elle m'avait contacté. C'était par rapport aux chaussures que je lui avais envoyées. Elle n'avait pas payé ses chaussures. Je lui avais envoyé. Je lui avais envoyé ce colis par un autre frère que je lui avais dit que le frère a passé les commandes chez moi et je vais envoyer ses chaussures. Au lieu d'envoyer deux commandes, je vais mélanger ses chaussures dans la même commande. Et puis, elle va récupérer, elle ira récupérer ses chaussures-là chez le monsieur. Elle m'a dit oui, nous sommes tombés d'accord. Et même quand elle a récupéré les chaussures, elle m'a envoyé le message qu'elle a récupéré les chaussures. Mais nous tout, où tu me balances tout, je mets ça sur les réseaux sociaux, on écoute au fur et à mesure. D'accord, ma chérie? Moi, je te dis personnellement, je te crois, je ne te connais pas assez, mais vu ton comportement vis-à-vis du couple Messant et de ta bataille que tu mènes sur Facebook, tu comprends? Là, je te crois. Mais comme on dit souvent qu'il ne faut pas croire quelqu'un à 100%, surtout quand tu ne connais pas la personne, je peux te croire à 80%, je te donne le bénéfice du doute. Personne n'est le juge, tu vois. Mais c'est que nous sommes en train de vivre un faux profil qui se crée au nom de Laure Fodia, tu vois un peu, de Laure Fodia, qui n'a pas beaucoup d'abonnés, qui n'a rien, et on raconte que c'est Laure, c'est elle qui, que c'est Lolo qui envoie des gens. Je veux bien savoir si c'est vraiment le rôle de Lolo sur les réseaux sociaux. Et moi, je dirais quelque part qu'il y a aussi ce qu'on appelle de bonne guerre. Il y a aussi, c'est pas parce que toi et moi, hier, je t'ai envoyé insulter Coco Kouetou. Du jour au lendemain, tu deviens ami avec Coco Kouetou, tu veux m'abattre, tu sors les audios, j'ai rien à foutre, c'est de bonne guerre. Je veux bien te croire, comme je dis, je veux qu'on accepte qu'il y a de bonnes guerres. Avant la guerre, il y a des gens qui sont, il y a aussi ce qui interpelle avec ses gros yeux, je ne sais d'où elle sort. Elle est chez ma femme là-bas, elle insulte alors qu'elle était de la PDG et tout. Donc ça change comme ça, ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça se crée. Maintenant, quand tu décides, parce que je vois, tu es humble. Quand je te raconte, je t'ai raconté pour la dernière fois au deuil de M. Messant, mais tu es tellement humble et très joyeuse que ce genre de choses ne te ressemble pas. Tu vois un peu? Et moi, ça m'embête. Tu es trop respectueuse. Et moi, je veux dire aux gens qui ne te connaissent pas que je t'ai vu en vrai au moins 3 fois, toujours grâce à M. Messant. Est-ce que aujourd'hui, tu vas causer, tu peux causer, est-ce que tu peux pacter avec une personne qui insulte la famille de M. Messant que tu vénères parce que, entre guillemets, tu les vénères quand même. Quand tu vois, je n'étais plus en contact avec elle. D'accord, on te croit. Il y a Lolo qui est en train d'appeler. Si je parlais du couple Messant, ou bien qu'elle vienne, voilà, qu'elle vienne mettre les preuves ou quand j'ai commencé à soutenir le couple Messant, je parlais avec elle. Qu'elle vienne poster tout simplement. Je ne parlais pas avec elle.
J'avais stoppé de parler avec elle. Quand elle m'a envoyé insulter la mère des beaux gosses, j'ai dit non, que je ne la connaissais pas. Elle et moi, nous sommes restés en froid et puis il n'y avait plus rien. Elle m'a recontacté. Monica. Oui, ma. Monica, attends un peu. Ma patronne veut parler. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Mais depuis, elle ne parvient pas à entrer dans le truc. Elle veut parler. Parle alors. Bonsoir. Nadège, bonsoir, bonsoir Monica, bonsoir Louloumania et bonsoir les appels et tout ce qui suit le live de Tatana. Monica, moi, tu sais, je pense que vous croyez que je suis dans la dernière pluie et que c'est tout le monde qui veut venir s'asseoir sur mes pieds. Et j'interdis ça. Votre truc, quand vous dites que vous classez, moi, je connais classé. Tu entres dans le direct de Nadège, tu veux me lancer la pierre, tu dis que j'ai dit dans mon direct que si mon frère n'a bien empoisonné. Tu ne regardes pas ce que tu as fait. Tu ne regardes pas comment tu t'es comporté avec moi. Mais ce qui t'intéresse, c'est de dire que la vie dit que la vie est empoisonnée. Vous me prenez même pour qui à la fin? Qui vous a dit que si votre chiffon, que tout le monde est s'asseoir sur moi et venir me faire du n'importe quoi? Et même s'il avait dit ça, le comportement que tu as eu à moi, c'est un bon comportement. Même si j'avais. Tu parles de quel comportement? Quand tu parles du comportement, tu parles de quel comportement? Tu as suivi ton homme dans les audios, ma. Monica, laisse. Je vais me répondre. Laisse, s'il te plaît. Donc, quand vous êtes comme ça, vous faites des choses, on va vous reprocher. Dès qu'on dit un mot, vous voulez vous. Personne ne m'a parlé sur Facebook. Hein. J'ai dit personne. Poutine. Non, Nadège, attends. Poutine. Attends, Nadège. Est-ce que tu peux te calmer, ma mère? Non, attends, parce que je ne peux pas. Parce que au lieu qu'elle ait fait le direct avec toi, elle a peut-être dit que moi, elle était ma mère. Non, laisse ma mère, tout le monde n'a pas entendu. Laisse ma mère, laisse, comme je te dis. C'est pour ça que j'ai dit. Je suis ta première fille. Ma mère, je suis ta première fille, non? Ma mère, Jamba. Non, moi, ce n'est pas ma fille, je suis désolée, Nadège. Oui, mais laisse là-bas. Dans les réseaux sociaux, on peut se retrouver en train de mourir comme ça, cadeau. Il faut qu'on accepte ce qui est face à nous. Je ne veux pas dire. Nadège, moi, cette affaire est en train de me traumatiser. Quelque mais comment cette fille a fait pour jouer à ce jeu-là? Moi, j'ai vu les directs de Gospit. J'ai vu tes messages. Elles ont commencé à causer. Monique a causé déjà avec moi. D'accord. Elle causait déjà bien avec moi. J'ai vu les dates. Mais est-ce que quand j'ai causé, je vais juste te poser une question, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Je n'ai jamais dit à mon Dieu que tu m'as donné un habit empoisonné. Je dis que si elle m'envoie un habit empoisonné, je dis que si tout le monde est dangereux, il faut qu'on fasse attention. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais accusé. Et ma vie, je vais essayer de donner le bénéfice du doute. Tu ne regardes pas où il y avait des. Mais vous êtes des mauvaises foi. Mais attends. Il y a eu une compréhension, Poutine. Elle a parlé, je veux aussi, parce que moi je la comprends. J'ai dit, comme je dis toujours, que je la comprends. Elle dit que je parlais avec Ngossa quand je parlais avec elle. Je me répète encore, j'ai dit que Ngossa m'a recontacté. Quand elle a vu mes produits sur la toile, je le dis et je le redis. Tout cela qui me traite de tous les noms, je ne mange pas chez vous. Je ne mange personne pas. Je dis seulement, Ngossa m'a recontacté. Quand Ngossa a vu mes produits sur la toile, elle et moi. La mère dit les gens qui l'insultent. La mère dit les gens qui l'insultent. Elle parle des gens qui l'insultent. Est-ce que tu as suivi ton nom sur les audios? La main est sur le caca. Moi, j'explique quelque chose. Tu viens dire que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Ma femme a repris contact avec moi pour les produits. Je le dis et je le répète. Ce que toi et moi, on conversait. Est-ce que tu as suivi ça chez ma part? Parce que même si c'est toi qui entends les autres. Je ne suis pas ton enfant pour que tu cries sur moi. Non. Monica, je ne te permets pas. Non, ma. Est-ce que ce que moi j'ai traité, Tata Lolo a publié mes produits. Tata Lolo a fait. Tata Lolo a fait. Elle a le droit de s'exprimer, de se fâcher, vu ce qu'elle a vu sur Facebook.
Tu es en train de comprendre, tu ne lui parles pas comme tata ça. Tata parce que c'est une grande personne, ma. Attends un peu, je vais te faire comprendre que tata toutes les grandes personnes, mais tu ne donnes pas, tu ne lances pas des propos comme ça, alors qu'on a, on est en train d'amener à la calmie, tu vois un peu. Ne donnons pas la chicote. Tu entends comment je, elle a le droit de se fâcher. Tu entends comment je flatte la mère, tout ça. Je suis qui est en train de flatter parce que j'amène à l'apaisement. Et j'interdis que les gens t'insultent sur mon direct. Je l'ai dit. Laisse. Prends sur toi. Parce que ce qui est sorti, tu comprends? Il y a certains qui sont d'accord, il y a certains qui ne sont pas d'accord. C'est elle la concernée. Maintenant, on est obligé de la calmer un peu, d'aller dans son sens. Parce qu'après, on va arranger ça. Moi, je ne veux pas qu'elle parle ici. Et moi, je ne veux non plus que tu lui lances des mots que non, comme tu es en train. Non, je ne veux pas ça. Je veux qu'on se calme. Moi, c'est pourquoi j'ai. Moi, mon mari est malade. Hein? Mon mari est en train de mourir. Hein? On a même dit qu'on ne lui donne plus rien à manger. Hein? Pardon. J'ai seulement fait ça parce que je veux qu'il ait la paix entre nous. Ne donnons pas la chicote à ma femme, c'est une dangereuse. C'est tout, hein? Pardon. Pardon. Laissez ça comme c'est là. Parce que dans bientôt, il serait veuve. Pardon. Laissez ça comme c'est là. Pardon. Pardon. Pardon, ma mère. Pardon. Pardon, maman. Mais le problème, pardon. Le problème, c'est que Tata Lolo est une grande personne. J'ai toujours dit ici dans les réseaux que si je l'appelle ma mère, c'est par respect. Elle ne peut pas m'accoucher. Alors, est-ce que moi j'ai, elle reconnaît que ce que moi j'ai causé inbox avec elle, est-ce qu'elle le reconnaît dans les voix de ma femme? Monica, moi, rien. Quand ma nyongle a, à manque mouhéme, il faut que ça sorte de ton cœur, c'est pas moi qui dois te dire, à manque mouhéme yom inor, mais l'homme est quoi nous en aparté? Nadège, il y a un peu. Nadège, mais pour nous, il y a un peu. Nadège, moi, il y a tout le monde. Aïe, bon, maman, maman, s'il te plaît, excuse-moi un peu. Aïe, qui bon, maman, les balles, on va bien, maman. Il y a un peu. Dis, maman, il y a pour nous. Il y a un peu. On dit, bébé, maman, on a rien eu la bonne raison. À plus forte raison, le loi est au maillon, nous manque. Il y a un peu. Dis, ma bonne raison. Mais quand elle est maman, mais peut-être, parce que ma femme est contente pour ce qui est en train de se passer. Et moi, ce n'est pas ça mon souhait, je ne veux pas ça. Donc, Lolo, elle va t'appeler, pardon. Barien Mouye, attends, Lolo, elle parle d'abord. Lolo, elle veut te parler. Je ne suis pas les followers. Il y a personne qui commande quelqu'un ici, là. Non. Non, Nadège, je ne parle pas. C'est mon cœur qui parle, qui me fiche le camp. Ils sont en train de blablabla de raison de ça. Moi, je me donne pas raison, je suis dans ton direct. Nadège, ce qui m'a fait entrer dans ton direct, c'est parce que quand Monica entre, au lieu qu'elle s'explique, elle dit que moi, j'ai dit dans mon direct qu'elle m'a offert un habit empoisonné. Si, mais est-ce qu'elle avait mis, est-ce qu'elle n'a pas dit ça? Après, pas rien, je n'ai pas dit comme ça. Elle a entendu à ta faute. J'ai dit que non, que mais c'est dangereux, le dehors fait peur. Que ben, pour venir me donner le poison comme ça, mais chante que, en venant me suivre, peut-être en causant avec moi, elle s'est rendue compte que je ne suis pas une mauvaise personne, elle a changé d'idée. Ce que j'ai dit, tu comprends la dèche, ce que j'ai dit, elle a changé d'idée, peut-être mon esprit l'envoie de lui m'espionner, mais quand elle est venue vers moi, elle a trouvé que j'étais une bonne personne, elle a changé d'idée, elle a dit non, elle veut peut-être qu'elle pouvait rester avec moi. Ce que j'ai dit, que mais la vie qu'elle m'a donnée, ça pourrait dire que si elle avait peut-être maintenu le plan qu'elle avait mis en place avec Gospit, elle pouvait me donner même la vie empoisonnée, je portais, je mourrais. Je n'ai pas parlé en mal, Monica. Je n'ai pas parlé en mal. Non, gars. Je n'ai pas parlé en mal. Toi, tu me rends dans le jeu, tu dis que j'ai dit que tu as mal, va encore comprendre mon direct. Je n'ai pas parlé en mal. Je n'ai pas parlé. Alors, moi, j'ai au point, je me suis à te comprendre. Excuse-moi, ma mère, si je me suis. Lolo, elle est en train de te parler. Excuse-moi, ma mère, si je me suis emportée, parce que je suis accumulée, les gens me traitent un peu de tout en ce moment. Donc, excuse-moi, je te demande les excuses si je me suis emportée. Je veux juste te faire comprendre. Que... Non, Monica, non, je n'ai pas compris. Il faut qu'on essaie de se comprendre, parce que quand on a les voix de Goussa. Tu es en train de dire que est-ce que moi j'étais à faire un message WhatsApp, à un message Messenger? Mais jamais, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. J'ai dit jamais, c'est ce que moi j'étais en train d'expliquer. Et que tout ce que toi et moi,
On a déjà parlé. Même le vêtement là que tu dis que moi je t'ai offert, est-ce que ma maman dit ça là-bas? C'est pour dire que je ne parlais pas de toi. Parce que si je parlais de toi chez elle, elle aurait même sorti le paquet de parfums que je t'ai envoyé. J'ai même dit dans mon direct que si Monique avait m'espionné, c'est qu'il n'est pas moi, il avait sorti beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Excuse-moi si je me suis emportée. Mais c'est ce que moi je voulais te faire comprendre. C'est ce que je voulais te faire comprendre. J'ai expliqué ça dans mon direct. Quand tu m'as jamais cherché à me m'espionner, à jamais m'assister à avoir quelque chose de moi ou à voir quelque chose de moi, quand tu n'as jamais cherché à voir ça, que si tu venais m'espionner, c'est que tu devais avoir beaucoup de choses sur moi, mais il n'y a rien contre moi à causer. Que je peux dire que venir m'espionner. Voilà. Et que j'ai dit même aujourd'hui dans mon direct. Je peux parler, Lolo. Attends un peu, Tatana. Regarde comment Ngosa. Attends un peu, Tatana. Regarde comment Ngosa est bête. Quand elle sort, dit que Tata Lolo n'a jamais publié mon commerce, c'est pour dire qu'elle est au courant. Elle était au courant de rien. Elle était au courant de rien. Parce que Tata Lolo publiait mon commerce. Elle faisait la publicité. Lolo est en train de dire ici. Lolo est là, c'est une maman d'enfant. Tu es en train de comprendre. Elle ne peut pas nous accoucher, mais sur Facebook là, puisque nous sommes avec elle, tu comprends? Elle n'est pas parfaite parce que nul n'est parfait. Si elle te dit que Lolo est parfait, c'est que te ment. Je sais que je suis hypocrite. Elle n'est pas parfaite du tout. Hein? Mais on a accepté d'être avec elle. Comme nul de nous n'est parfait, on accepte ensemble et on évolue. Tu es en train de comprendre un peu. Donc, Lolo est notre maman. Tu es en train de comprendre. Elle peut nous défendre, peut-être que pas de la même façon qu'on attend. Sa façon peut-être de s'exprimer, tu peux comprendre comme tu as compris aujourd'hui qu'elle est en train de t'expliquer. Elle montre qu'il y a la paix. Tu lui as demandé pardon. C'est notre maman. Respectons-la. Ce n'est pas nous qui devons la mettre au carrefour. Si elle veut nous faire du mal, hein, c'est son problème. Tu es en train de comprendre? Ne donnons pas la chicotte aux gens de nous frapper. Nous et sommes ses enfants. Elle doit à ma mère, Lolo, que... On la respecte. Maman Lolo, tu as déjà parlé. Merci, on t'aime beaucoup. Au revoir, ma mère. Bonne nuit, ma mère. Attends, tata, je m'excuse pour ma colère tout à l'heure. C'est parce qu'elle a dit que j'ai utilisé de la poisse. Elle m'a donné la pierre empoisonnée. D'accord. Mais j'ai dit que dans mon direct, j'ai dit que Monique a peut-être venu avec les intentions d'espionner. Mais elle a vu peut-être que j'étais quelqu'un de sympathique. Elle a eu une chargée d'idées. Jamais elle a eu des intentions de m'espionner parce qu'elle ne m'a jamais fait le commissaire de quelqu'un. Quand vous avez moins parlé de business, des parfums, des habits, jamais elle a cherché à voir quelque chose. Il n'y a rien entre elle et moi que je peux dire qu'elle est venue m'espionner. Tu comprends? Peut-être elle est venue comme ça, elle m'a aimé. Et elle a changé d'idée. Et que peut-être c'est elle-même qui a créé le compte là pour embrouiller tout ça. Parce que je n'ai jamais créé le compte là. Jamais, ma. Je n'ai jamais créé ce compte. Ne m'appartient pas. On ne creuse rien du tout. On ne met personne au travail. Ils vont commencer, ils vont finir comme ils ont commencé. Tu es en train de comprendre. On ne creuse rien du tout. Je vais dire à Melolo, je vais partir. Je vais dire à Melolo Maya, c'est que Melolo Maya. Ne vous fassez pas de Monique, parce que jusqu'ici, la Monique, elle n'a rien sur moi, qu'elle est venue me piéger. T'as pas arrivé qu'elle était avec un gospit et elle a changé d'idée. Donc moi, je n'ai aucun point avec elle, parce que je ne vous repose de rien. Je n'ai aucun secret avec elle. Et vraiment, je retire ma... Tout à l'heure, j'étais en colère parce qu'elle a dit... Alors moi, je cherche à la comprendre, mais elle vient plutôt à vouloir m'enfoncer. Moi, je suis en train de comprendre. Je n'ai aucun point avec ma fille. Merci, Njamba. Oh, Lolo, Lolo Mania. Lolo, tu vois comment tu es en train de faire la pub de ta yamseur. Tu vois comment tu fais la pub de ta yamseur. Lolo, tu déplaces les montagnes, peut-être tu ne connais même pas ta valeur. Les gens, c'est les gens comme les moi, comme ça, là, qui te mettent en haut, qui te donnent la valeur parce que tu la mérites. Donc, laissez. Tu comprends? Que Dieu te bénisse, ma mère. Tu comprends? Non, Njamba. Ya Melon. Tu comprends, non? Tu es notre mère. Reste notre mère. On te connaît comme tu es. Tu as parlé, Monica. Voilà, on te connaît comme tu es. Tu es impulsive et toi, on ne peut pas te jeter. Maman, crains-nous aussi comme nous sommes aussi. Et nous sommes les essauts là. Nous sommes les voleuses. Nous sommes tout. Mais essaie de ne pas voler dehors. C'est toi qui n'as tout de faire. Voilà. C'est bon. Je te laisse faire le direct avec Nadège. Je continue à vous suivre. D'accord, ma mère. Merci beaucoup.
Bisous. Mm-hmm. Voilà. La paix est bien. Ma femme a raté son coup. Vous comprenez, non? Tant que je suis de la team de la Russie, la descendance de l'Holomania et de la team de la vérité, c'est, sauf si je suis au courant du ring, il n'y aura plus de problème entre nous. Il n'y aura plus. Laissez Monica, comme Lolo a dit, je pense qu'elle a donné le mot d'ordre et elle a dit qu'effectivement, s'il y avait quelque chose, ce qu'elles ont causé en aparté, ce n'est jamais sorti. Donc, laissons comme ça. Monica, tu restes telle que tu es, ne change pas, excuse les Lolomaniens et les Lolomaniens aussi. Qui parle là que compresseur? Pardon, mettez-moi la tête de moi, je bloque les bêtises ici. On vous a dit que ici, là, c'est ma femme, c'est qui une pisseuse au lit, vous êtes malade. C'est qui ça même? Mon mari entre. Coucou, Tatana. C'est comment? Ah, Tatana, la grande soeur de qui est? L'unique. Tatana, je vais te rappeler quelque chose. Ngosa fait jouer ses voix là. Elle n'a pas mis là où elle m'envoie clasher la mère de Bogos. Elle n'a pas mis là où elle est. Oublie Ngosa là-bas. Oublie Ngosa là-bas. Tata Lolo a dit bas. Nous en bas. C'est fini. Tata Lolo. Non, c'est pas. Monica, on te soutient, Aura. Ça ne chauffe pas. Voilà. Fini, donc laisse tout. Tu fais ton direct, tu demandes pardon, tu t'excuses auprès de tout le monde et on quitte ça. Tata Lolo a dit que c'est pas tout. Et on va. Et puis c'est fini là. Gonjal, on s'en fout. Monica. On sera toujours avec voilà. Toi. Voilà. Ne te dérange pas. Elle est contente quand ça arrive comme ça. Ne donne même pas une seconde. On est à 959 personnes. On a 1959 personnes. Bonsoir, Tatana. Bonsoir, ma puce. Maman, vous savez, tout le monde, chacun a ses problèmes. Monica, bonsoir. Bonsoir, Marc Larousse. Bonsoir. Chacun a ses problèmes. Cette histoire m'a valu 4 harcèlements aujourd'hui. Tu sais qu'on me confond beaucoup avec Monica Diaz. Quand on veut dire Monica Diaz, on ne fait que dire Véronique Amas. Je t'ai dit, Tatana, j'étais à l'école aujourd'hui parce que j'ai commencé une petite entrée en formation là. Mon téléphone, les faux profils. Tatana, on m'a lavé. Il dit, j'étais mal à l'aise toute la journée. Maintenant que je mange, quand je vois le visage de Monica, c'est là où j'ai l'appétit. Parce que Monica a dit d'éclaircir les choses. On a dit, le premier message a dit, traître, tu vendras même ton caleçon à 1 euro pour la ouais. Le deuxième, je ne peux pas répondre parce que c'était en formation. Pendant ma pause, je sors mon téléphone, je vois les messages, je dis, ouais, comment vous ne pouvez pas. Moi, c'est Véronique, pourquoi vous m'insultez? Et le dernier faux profil a tranché. Il est venu me dire, de toute façon, on perd le temps avec toi. Toi, tu as les dents écartées, alors que l'autre a les dents. Non, je vous jure, non, vous blaguez, hein. L'histoire s'y peut amener quelqu'un quelque part. Le problème, c'est que j'ai les audios, mais je ne donne pas le bénéfice du doute à ma femme. Elle ne vaut rien. J'ai voilà. Les audios. Voilà. Elle ne vaut rien. C'est fini comme c'est fini là. Lolo a baissé le cœur. Elle a aussi demandé pardon à sa petite soeur Monica. Monica a demandé pardon à tout le monde. Donc, quitte voilà. Ça. Bravo. Voilà. Moi, je vais dire quelque chose. Bravo. Je vais dire quelque chose. Bravo, Tata Lolo. Tu es une femme au grand cœur. Ne change pas. Mais fais très attention à toi. Mais malgré le fait que tu as un grand cœur, Dieu te protège et il te enlève beaucoup de obstacles autour de toi. Voilà. Peut-être même, Monica était venue pour te piéger, elle s'est rendue compte que tu es une bonne personne, elle a changé d'avis. Peut-être, voilà. Ce n'est pas ça. Hein. Je ne dis pas que c'est ça. Je dis que même si c'est qu'elle était venue, elle s'est rendue compte que tu es une bonne personne, elle a changé d'avis. Peut-être c'est Dieu qui a touché son cœur. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui part pour tuer Arlene? Voilà. Je suis là dans vos vues. J'ai souvent les 3000 personnes et un Tatana a perdu. Tatana, moi je tenais à profiter, comme il y a du monde ici là, je suis sûr que la plupart des. Parce que j'ai fait un petit direct, il y a deux vos professeurs qui sont venus se reconnaître, que ce sont eux qui m'ont harcelé. Donc je profite ici pour dire que maman, regardez bien les noms. Moi c'est V. Il faut laisser comme ça, comme tu as commencé. Oh,
Non, Monica, moi, je suis avec toi. Je sais ce que c'est. Je m'a pas tombé ici là. Heureusement que Tata Lolo et Rêve m'ont soutenu. C'est ça qui m'a donné la force de continuer. Quand on te lâche, c'est là où c'est dangereux. Tu comprends que tu as Tata Lolo avec toi. Si tu es sage, ma, laisse cette femme à sa place. Ne parle plus, ne fais plus rien. Moi, c'est mon conseil. Après, tu fais. Non, je vais la combattre. Elle et moi. Non, Monica, insulte la Sonia. Moi, je dis Boboyé. Je vais la traiter, ne peux pas la laisser. C'était bon, pour moi. Oui. Du moment où Tata Lolo a dit la carte. Monica, attends, attends. Monica, tu dis que tu vas continuer. Tu es sûr qu'elle n'a plus rien. Elle n'a rien d'autre qu'elle peut encore te compromettre avec. Elle a bien lavé ma femme. Elle ne laisse pas. Et moi, maintenant, je vais entrer dans tes directs chaque temps. Insulte-moi ma femme. Comme les gens envoient les hommes par derrière, moi, je t'envoie maintenant. Tu comprends? Tu me laves propre. Et je suis là. Et le faux profil qui a dit que j'ai les dents écartées. Ah! Je vais te montrer mes dents tous les jours. Voici ça. Hein? Voilà. Si tu ne connais pas. Voilà ma fille. Pardon, baissez vos cœurs. Tata Lolo a parlé, baissez vos voilà. cœurs. Monica, c'est votre petite soeur. Soutien, ne réfléchis pas. Nous sommes pas vos personnes. Monica, mais Monica, tu sais qu'il y a tes collègues avec qui tu es déjà en classe qui ne vont pas laisser. Donc, vous gérez la dent. Je vais appeler pour Ndolo Moulema. Ils ont la bouche comme j'aime ma bouche. Quelqu'un m'insulte, je l'insulte trop. Je t'avais appelé pour Ndolo Moulema. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je vois que la madre Sylvie Tenier, je ne sais pas ce qui se passe. Honnêtement, je ne veux plus ça. Avec Marthe et tout, je ne veux plus. Si j'ai les problèmes avec... Moi, les problèmes avec personne. Hein. Et c'est eux qui ont les problèmes là-bas. Moi, ils font mes choses. Je vais expliquer un peu le problème de Sylvie Tenier. Monica. Je vais un peu... peut vous éclaircir le problème de Sylvie Tenier. Sylvie Tenier et moi, à la base, on n'a aucun problème. Aucun. C'est une fille gentille, une femme gentille, hein? La madre. Je dis Sylvie Tenier et moi, à la base, on n'a aucun problème. Après, Sylvie Tenier vient défendre sa copine Moula, qui est venue me convaincre d'un Congo ça que je n'ai pas accepté. Elle a commencé à m'insulter, de l'imiter. Et puis là, c'est parti. Je lui ai dit que, comme je suis limitée, je vais te montrer comment je suis. Donc, Sylvie Tenier est venue entrer dans un problème. Ajouter un problème qui ne la concernait pas. Laisse là-bas. Laisse. Dieu n'aime pas les explications. T'as dans le magasin des gens, c'est même pour le magasin. Non, c'est bon. Laisse. Nulle, c'est ta soeur. Sylvie Tenier, c'est la madre. C'est comme ça. Laissons comme ça. Bon. Laissons comme ça. Attends, non, je descends. Hein. Je vais mettre la petite au lit. Laissons comme ça. C'est la madre, c'est les soeurs. Laissons. Ma femme est d'accord avec ça. Ne donnons pas la chicote. Ma femme, c'est une dangereuse. Notre combat, c'est ma femme. Notre combat, c'est 550 000 personnes. 750 combien. C'est tout là-bas. 2 plus 3 égale 23. C'est tout. Laisse là-bas, fais ton commerce. Tu comprends, non? Laisse. Dieu ne... Non, laisse-moi. Laisse comme ça. Bon. Ben, j'ai des temps, alors. Bisous, hein. Bonne soirée. Okay. Je suis en bas. Bonne soirée. Elle a dit les bisous depuis juste au moins 5 fois. Après, tu vas encore dire bisous. Dis encore bisous. Monica, on va à la soirée de Flore, non? Je serai avec toi, ma petite soeur. Tu comprends, hein? Oui, ma. Ça ne chauffe pas. On va aller là-bas. On va porter les talons. Tu vas être sexy comme tu sais être sexy. Tu comprends, non? Je suis avec toi, non, Pierre? Tu es ma petite soeur, non? On a la soirée de Flore. Ma femme est en train de voir la gloire de Flore ou de Lise. C'est pourquoi elle va... Maman, la soirée de la gloire glorieuse. Si! La soirée où il y aura les ambulances. Les ambulances. Je vais prévenir ici que la personne, à part les grandes sœurs, la personne qui va m'insulter, je l'insulte. Toute personne, c'est parce qu'on ne veut pas les problèmes, on ne veut pas d'explications, on est tout Monica, laisse la partie de Claude Akam, c'est un faux profil, tu vas aller en classe avec un faux profil. Comme tu veux, vu que je ne mange pas chez toi, tu peux m'insulter du matin au soir. Je ne suis laisse, pas. Non, Monica, laisse Claude Akam. Ça ne va rien enlever sur moi. Tu Monica, mais je n'ai pas Claude Akam, c'est un faux profil. Moi, ouais. Je suis vrai profil et toi, tu es un faux profil. C'est ça la différence entre toi et moi. Donc, rien d'autre.
Baissez vos cœurs, baissez vos cœurs. D'accord, Aline Michou, j'ai compris. Les cœurs sont baissés, donc laissez comme ça. Ok, Tatana, je te souhaite alors bonne soirée. Bravo, merci pour ton beau live. Merci, ma petite. Et merci à Lolo aussi. Bravo, Lolo. Que Dieu te donne. Voilà. D'accord, donc, vous voyez, la paix est bien. Il y a une compréhension. Déjà les audios qui sont sortis, Monique a dit qu'elle ne s'adressait pas à Lolo et que ça concerne une autre personne. Et ma maman voulait amener la confusion entre donc retourner nos cerveaux. Elle a cru que nous étions bêtes comme elle. Donc l'incompréhension est passée. Monique a demandé pardon à sa mère Lolo. Lolo aussi a demandé pardon à Monique. Et puis la vie continue, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Ma femme n'est pas importante. Il y a Patricia de Toulouse qui veut parler. Ma femme n'est pas importante. Ne lui donnons pas le bénéfice du doute. Elle ne sert à rien du tout. Donc, on ne parle plus de ça. Qu'elle mette les audios même. Elle a mis les audios, les trucs de Ndolo Moulema ici. C'est parti. Ou donc, elle a fini là-bas. Pour venir maintenant chez Monica. Nous sommes là. Bonsoir, Tatana. Oui, bonsoir, Tatana. Bonjour, ma pupuche. Bonsoir, Monica. Bonsoir, maman. Bonsoir. Vraiment, tout ce que je suis en train de voir tous ces jours ici sur la toile, ça m'écœure, en fait. Je n'ai même pas des mots. Pour une fois dans ma vie, je suis sans voix. Parce que la seule cible que nous avons ici, on ne se cache pas pour le dire. C'est ma femme. Il n'y a même pas de demi-mesure à ça. Donc, ce que nous sommes en train de faire sur la toile là, c'est même très honteux. Je me demande si vous connaissez Malé en guerre en vrai. Même quand tu veux taper même ton partenaire ou ta partenaire, ça a lu clos. Ce n'est pas en public. Ce n'est pas en public. Parce que le problème de ma femme, c'est quoi? Le véritable problème de ma femme, c'est qu'aujourd'hui, elle est seule contre le monde. Il faut dire les choses comme elles sont. Parce que c'est elle-même qui a créé. Le monde, elle a tendu la main ainsi que la paix. Elle a préféré rester dans sa haine. Et comme elle a préféré rester dans sa haine, on s'est dit, bon, on va l'abandonner avec sa haine. Et on va aller avec ceux qui veulent faire la paix. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes tous avec les gens qui veulent faire la paix. Elle, comme elle est une haineuse, on l'a isolée. Et comme elle ne supporte pas ça, elle est en train de séparer pour mieux régner. Et sa stratégie n'est pas... Franchement, c'est elle qui a même le devant sur nous. Elle a pris le dessus sur nous parce que elle a une très bonne stratégie. Il faut dire les choses comme elles sont aujourd'hui. Parce que quand tu es seul contre un monde comme ça, la meilleure stratégie, c'est quoi? C'est séparer pour mieux régner. Elle arrive. Elle a commencé avec Ndolo Moulema. Maintenant, c'est Monica Diaz. C'est qui c'est la prochaine sur la liste? N'entrons pas dans la danse là. C'est une chose que deux fois même, c'est vu ignorer. Parce que quand j'ai même lu tous les trucs qu'elle a sortis là, ou les voices là, quand tu parles même, il n'y a pas le nom de Lolo. C'est comme si, par exemple, il pouvait parler de Tatana ou de moi, par exemple. Parce que quand on parle même de quelqu'un, il y a le nom de la personne. Je vous prends peut-être une conversation que j'ai parlé avec Tatana. Peut-être que je parlais de Monica Diaz. Maintenant, je vais croire peut-être à monsieur, mais sans que c'est de lui qu'on parle, alors que ce n'est pas ça. Tant qu'il n'y a pas le nom de Tata Lolo dans le voice, ça ne sert à rien. Le voice peut appartenir à tout le monde. Hein? N'oublions pas que... Exactement. Voilà. Avant, il y avait les teams. Il y avait les teams avant. Tout le monde a fait la guerre avec tout le monde. Donc, ne prenons pas l'étude de 1900. Ouais, on l'amène aujourd'hui parce qu'il y a la paix. Hein? Les teams, et chacun choisissait sa team qu'il voulait. Moi, je ne me suis jamais caché. Tout le monde sait là, que moi, je suis une abeille et une PTT. Je n'ai jamais caché ça. Et maintenant, aujourd'hui, dans la team de vérité, moi, je n'ai jamais caché moi l'autre là. C'est tout. Voilà. Donc, vous avez fait là, on a fait des guerres ici, des guerres pas possibles. Hein? Mais prenez par exemple les deux grandes teams, les Lolomania et les abeilles. Vous avez fait les guerres ici pas possibles. Donc, si demain, on sort peut-être une voix de 1900, ouais, on amène ça aujourd'hui parce que vous avez fait la paix. Vous allez tomber
dessus pour crucifier la personne? Vous voulez crucifier la personne? Mais je ne m'en pas, mais ne dansez pas dans ça. On s'en fout de ça. C'est pas pourquoi. Donc moi, c'est tout ce que vous voulez dire, que pardon, revenez au bon sentiment. Essayez de mettre de l'eau dans votre vin, s'il vous plaît. Soyez moins indulgents avec Monica. Personne n'est parfait. Je sais que même Monica, ce n'est pas facile. Parce qu'elle a fait sa petite guerre avec la lionne dernièrement. Je l'ai aussi dit que laissez aussi ça comme ça. Elles m'ont dit oui. Je tourne les deux, je les vois encore continuer. Elle a fait la guerre avec le Bunkena. Elle a mis le Bunkena car Bunkena a commencé à dire sérologie, mon combat. Allô, Nadège. Oui, maman. Bonsoir. Moi, Patia de tout, moi, j'aime pas ta façon de parler. Tu n'imposes pas quelque chose à quelqu'un. Je suis désolé. Moi, c'est l'hypocrisie. Moi, je marche pas dans l'hypocrisie. On ne peut pas fonctionner dans un monde d'hypocrisie. T'as dit que quand on part en guerre, même si on voit quoi, je vais pas tenter de mourir parce qu'il part en guerre avec quelqu'un. Je suis désolé. Même ton coéquipé de guerre peut te tuer en guerre. Ne dis pas non, hein. Non, je ne suis pas une équipe avec quelqu'un. Je suis désolé. Vous avez votre équipe, j'ai mon équipe. Moi, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Moi, je ne veux pas faire un truc de moi, après ça va me rattraper, après ça va caler sur mon cou. Je ne veux pas, moi, ces mélanges-là. C'est parce qu'il y a trop peur de méta. Parce qu'il y a trop bipolaire sur la toile. Je refuse ça. Moi, je ne veux pas. Mais tu es en train de dire que si tu imposes quelque chose à quelqu'un, nous sommes à moi, chacun avec qui. Non, il ne faut pas dire ça. N'imposez pas votre rythme aux autres. Tu dis que quand nous sommes en guerre avec quelqu'un, il est sûr qu'il faut faire vivre une heure. Tu connais ce qui vient de se passer là? Mais vous croyez qu'on va vivre dans l'hypocrisie à quel niveau? N'oublie pas que certaines personnes sont... Attends, elle va répondre à Tata Lolo. C'est parce qu'elle est montée, elle s'adresse à moi. Je vais lui répondre calmement. Tata Lolo, je vais te dire une chose. N'oublie pas quand Monica, l'histoire a commencé au départ. Certaines personnes sont sorties pour essayer de lancer la pierre à Monica par rapport à ça, pour te défendre à toi. C'est toi-même personnellement qui est sorti pour mettre la paix. Tu es venu avec une autre parole que je vais imposer les gens. Monica Dieu. C'est toi qui ne m'as pas compris. Monica Dieu, c'est une petite que je connais depuis, qui m'a contacté. Elle faisait des directs où elle parlait bien de moi dans Facebook. Après, voilà. On ne cause pas beaucoup, on cause très rarement. J'ai dit dans mon direct que si Monica Dieu avait les intentions de m'espionner, elle l'aurait fait. Mais quand je vois nos conversations, je ne vois rien qui avait intention de m'espionner. C'est ce que j'ai dit dans mon live. Mais que si elle avait... on ne veut pas quoi. Tu dis que chacun avait sa team avant. Elle ne fait pas partie de ma team. Elle ne m'avait jamais dit qu'elle fait partie de la team de Ngossa. Elle m'avait jamais dit qu'elle parlait avec ma pampesse. Elle ne m'avait jamais dit qu'elle était, elle collaborait au téléphone. C'est normal que je sois abasourdi. C'est normal que je sois choqué. Je dois faire vie ignorée d'un coup de. Voilà, quand je fais la guerre avec Gossa. C'est moi qui gagne. Toi, je parle à tous ceux qui commentent, ceux qui sont contre l'histoire. On est très nombreux sur les réseaux sociaux là. Et c'est chacun qui lance la pierre à Monica à ce moment. Ça veut dire que si des mois après, quelqu'un veut me tuer, quand je suis en guerre avec Gossa, je vais fermer la bouche, que la personne me tue. Jamais tu vas te défendre. C'est que Monica, c'est que j'ai suivi des voices, j'étais choqué. Je ne sais pas que Monica parlait à l'aise, bien comme ça avec Gossa, étant à l'aise, je ne savais pas. C'est donc sur ce côté-là, je parle même de Monica, sur ce côté, tu as raison. Mais, toi, tu ne m'as pas compris. Parce qu'on est en guerre, on discute quoi? Je suis en guerre avec quelqu'un, moi, je suis en guerre au point que je vais voir que je suis avec une petite fille que j'appelle ma fille, que je considère comme ma fille. Elle cause avec mon ennemi qui m'a souhaité la mort au Cameroun. L'année dernière, Monica a causé avec mon sac à dos. La question maintenant, c'est de savoir à quel moment elle a commencé la relation avec elle et a arrêté et commencé la relation avec toi. Oui, le problème est là. Ça, on a fini ça, non? Ouais, vous revenez encore sur le même. C'est que Lolo dit, c'est très pertinent. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut savoir à quel moment Monica a arrêté sa relation avec Mapam et commencé sa relation avec Lolo. Parce qu'il faut qu'on mélange tout. Le problème, il est là. Elle a causé avec Monica. Monica a causé avec Ngossa. C'est ça qui est la vérité. Mais c'est clair. Elle n'a pas nié. Patrice. Elle n'a pas nié qu'elle cause avec elle. Je vais dire ici que vraiment, je ne veux même pas m'emporter parce que à la
Mais je ne parle même pas. Ça ne te concerne pas. Le problème, c'est que même comme tu causais avec elle, tu n'avais jamais apporté une information de moi chez elle parce que toi et moi, on n'a pas eu en complot quelque chose. C'est ce que je dis. Mais moi, ça me trouve que vous causez ensemble, vous êtes à l'aise. Donc, pour le, sur le coup, ça peut me choquer. Mais c'était toi, Monica, toi et moi, nous sommes ensemble aujourd'hui. Je parle avec toi. Demain, tu entends que je parle avec Isaac. Comme tu causais avec Moussala. Monica, disons la vie, ça n'a rien de fait. Non, Tata Lolo, tu as raison. Je ne t'ai pas donné tort. Mon frère. Je ne t'ai pas donné tort. Mais ici, c'est que Ngosa veut manipuler les gens en croyant, en vous faisant croire que c'est de toi que je parlais dans les autres. Quel audio? Comme elle a manipulé. Non, les audios qui sont dehors, non, Lolo. Mais les audios, attends, quand tu écoutes les audios là, est-ce qu'il y a mon nom dedans? Voilà. Non, mais c'est ce que je veux expliquer. C'est ce que je veux expliquer que quand ma Pam est sortie avec les audios que j'avais déjà fait écouter. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Quand ma Pam est sortie avec les audios que j'avais déjà fait écouter, d'ailleurs, elle n'a pas fait écouter tous les audios. Elle a laissé où elle m'a envoyé clasher la mère là et insulter les graphistes d'audio que tu m'avais demandé de revisser là. Elle n'a pas mis les audios là. Voilà, elle a voulu manipuler les gens maintenant, vous faisant croire que c'est de toi que je parlais. Mais non, dans non, les moi, audios, je... avait du moment qu'il n'y a pas mon nom, parce que, parce que avant qu'elle ne fasse jouer les audios, comme dit Patricia, on allait au débat, dit qu'on ne peut pas être les gens au débat. Monica, parce que les audios, avant qu'elle n'ait pas les audios, elle avait dit que tu as dit qu'elle m'appelle Lolo Pipi, mais dans les yeux, il n'y a pas Lolo Pipi dedans. Merci. C'est la compliqué à la manipulation. Merci beaucoup. Mais c'est tellement. Donc, tu vois, c'est la même chose que je disais avant que tu ne m'as jamais parlé de toi. Et si vraiment tu as été heurté, je m'excuse encore. Parce que c'est tellement. Non, mais on parle pas. Je ne te donne pas. Quel librement. Mais tu fallait nous dire que vous causez. Est-ce qu'il y a. On a des amis en commun. Moi, j'étais le commerçant. Moi, j'étais le commerçant. Non, mais c'était avant. C'est qu'on avait. Tu montes, tu descends de mariage à mariage, tu ne m'appelles même pas pour demander comment va mon mari. Tu veux comment oser, comment ça peut fâcher là maintenant? On ne parle plus de ça. Monica Diaz. Oui, ma. Bien. Parce qu'il faut toi-même aussi faire un live où tu éclaircis certaines choses, où tu mets le vote. Parce que c'est trop facile de faire qu'on ne dit pas qu'on ne dit c'est pas. Vrai, que Monica, l'affaire du vol de l'escroquerie de la femme de la Belgique, toi-même tu dois t'expliquer parce qu'elle met ta version. Elle voilà. Parlait de ça, la femme de la Belgique pour va passer. L'affaire du vol, je l'avais appelée. Mm-hmm. Quand je commençais mon blog, parce que quand je commence, j'explique toujours les mêmes choses. Quand je commençais mon blog, je ne te connaissais pas. Je n'étais pas avec les autres. C'est elle qui partageait mes directs. C'est elle qui, voilà, quand je valorisais, je mettais ses photos. Allez encore dans l'autre page, là, vous verrez tout ça. Là. Alors, la mère, là, me contacte. Elle me dit tout. Je contacte Ngosa, j'appelle Ngosa. Je dis à Ngosa que regarde, il y a tel profil qui m'a contacté. Elle m'a dit ça. Comme un enfant peut parler avec son parent tranquillement. Quand j'avais commencé mon blog, ce n'est pas les choses d'aujourd'hui. Alors, Ngosa me dit que c'est qui? J'envoie. Dis que ma Pam, Ngosa c'est qui? Ah, vous aussi. Ma Pam me demande que. Elle m'apporte le mensonge en me disant que la femme là veut la saboter, que la femme là est en train de mentir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Elle et moi, on tombe d'accord. Elle et moi, Ngosa et moi, ma Pam, on tombe d'accord que on prend la.
on prend l'argent de la mère là, on se divise en deux, comme la mère là veut que je l'insulte. Parce que la mère là disait vraiment des choses malsaintes sur Ngossa. Donc c'est de ça que d'elle et moi, on commentait. Aujourd'hui, elle vient transformer que c'est de toi qu'on parlait. Ah, on a pas ça de la manipulation. Aujourd'hui, elle vient dire que c'est de toi. Et la mère là, moi j'ai contacté la mère là, elle m'a dit que elle va témoigner, je ferai un direct où elle va parler. J'ai même eu honte en contactant la mère là pour venir dire la vérité. Parce qu'elle m'avait envoyé l'argent là et je n'ai pas fait le sale boulot qu'elle voulait. Encore ça et moi, on a partagé cet argent. Voilà. Le problème est ailleurs. Donc la mère là voulait que tu classes quelqu'un. Que j'insulte Ngossa. La mère là me disait que quand Ngossa ne m'active pas à insulter Perle de Luce, parce que Ngossa et Perle de Luce ne s'entendaient pas. Et Perle de Luce affichait un peu Ngossa, un peu de partout, caricaturait Ngossa, insultait Ngossa. Alors, quand la mère là m'a vu en clash avec Perle de Luce, la mère là m'a contacté, elle m'a dit que je ne supporte pas Ngossa, que Ngossa est une mauvaise personne. Donc, c'est comme ça que la mère là, à chaque fois que je clashais Perle de Luce, la mère là m'appelait. Elle me disait que non, ma fille, je t'ai dit que Ngossa est une mauvaise. C'est là où elle entre dans les détails où Ngossa lui avait dit qu'elle a une bonne connexion pour faire entrer son enfant en Europe. Elle a stocké l'argent à la mère là. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas remboursé. Donc, c'est comme ça que je parle d'elle à la mère. Je parle de la mère là d'elle. Que la mère... Elle est comme ça, comme ça, comme ça. Elle et moi, nous sommes tombés d'accord pour prendre les 500 euros de cette maman-là. Ngossa et moi, voilà. On s'est divisé cet argent. Voilà. Voilà. Donc, la vraie histoire. Parce que quand la mère là, m'appelait, quand la mère m'appelait, j'appelais Ngossa pour, j'envoyais les voix à Ngossa pour dire que elle a dit qu'elle va m'appeler. Et les choses vraiment qu'elle dit sur toi, c'est une mauvaise femme. Donc, en tant que mère et fille, on parlait. Voilà, parce que quand tu dis que, quand tu dis là les voix, moi ça me surprend un peu parce que toi et moi, on ne s'est jamais appelé. Moi, j'étais un peu perdu que, mais comment elle raconte une histoire imaginaire? Elle invente une histoire, raconte en Ngossa. Donc, maintenant, c'est maintenant que tu nous expliques que ça concernait une autre personne. Elle ne fait que dire ça depuis. Juste, elle a dit qu'elle va faire le direct. La mère, là, va parler. La mère, là, a dit qu'elle va parler, malgré que ces 500 euros sont dans mon ventre. Parce que Ngossa et moi, nous sommes tombés d'accord qu'on bouffe la. L'argent de la mère là. Pour escroquer une personne qui voulait faire venir son enfant en France. Elle a escroqué l'argent de la mère là. Elle a commencé à menacer la mère là. Dieu vous voit. Il a dit à Tatana. C'est pas ça que vous voulez expliquer. C'est les mensonges, c'est votre problème. Non, c'est que. Mais je dis que Tata Lolo, fais attention à la manipulation. Non, ne me dis pas qu'on est en guerre avec quelqu'un. Moi, je ne suis pas associé avec les gens. Moi, je ne veux pas les pipoler sur ma vie. C'est toi, quand je parle, quand je parle, je ne te mêle pas mes choses. Quand je parle, je te mêle, Tata Lolo. Pardon de ça. Tata Lolo. Tata Lolo. On est plus de sème. Tata Lolo. On est plus de sème dans les musiciens Brakatasi. Donc, je parle généraliste, je ne m'adresse pas à toi. Donc, je parle de nous avec les Nadège, tout ça. Moi, si tu veux, je parle de la team de la vérité. Et tu ne fais pas partie de la team de la vérité, parle pas de tout. Non, elle ne veut pas partir de la team de la vérité. Voilà. Pourquoi tu prends un titre personnel, Tata Lolo? Pourquoi tu donnes un titre personnel, Joba? Tata Patricia, s'il te plaît, je ne veux pas que vous ayez des problèmes par rapport à moi. Avec... Non, pourquoi on va avoir des problèmes? On est des grandes filles, on va avoir des problèmes par rapport à moi. Merci beaucoup. Donc, avec Patricia, je veux juste dire que quand je suis en colère, je sais non, quelqu'un veut monter. Me rappelle, pourquoi vous la faites descendre? Je ne quitte pas. Je ne quitte pas. Je ne quitte pas. Pourquoi vous voulez la chasser? Vous voulez la chasser? Pourquoi? Laissez-la s'exprimer. Ne quitte pas. Ça laisse qu'il le Japon. Je suis là.
Je ne quitte pas. Voilà, je ne parle pas. Voilà, je ne m'enlève pas. Tu parles de Mbunke. Voilà une patronne. Je suis avec ses employés. Je ne quitte pas. Comment tu bouffes le dernier sandwich? Il va rester là. Je ne quitte pas. Tu es en train de chasser les gens. Ils sont partis là pour le président des blogueurs. Ça les a brûlés. Maintenant, ils parlent. Moi, mais si, je ne quitte pas. Je sais qu'avec toi, Tata Lolo, ne quitte pas. Elle laisse personne. Elle laisse personne. Il croit que quoi? Vous parlez pour vous là-bas. Je suis ici. Vous voulez être dans le monde. Il descend. Il ne descend pas. Le comportement d'une patronne. Vous voulez qu'on fasse comment? Ils ont pas dit. Oh, le président, les blogueurs, on a installé. On a les ministres, on a les députés. Massif. On a brûlé. On n'a pas parlé. Maintenant, quand c'est pour nous, on veut faire le Japon. Vous savez qui? Je ne quitte pas. Je suis là. Le gars pour le pouvoir, là, chasser tout le monde dans le monde. Je suis là. Je ne quitte pas. Je suis en gare avec eux. Les abeilles et les loulous, je suis en gare avec eux. C'est tout. Je ne quitte pas. Ils mentent. Je ne quitte pas. C'est quoi, ils veulent comment les gens? Allez, si tout le monde cherche le Japon, maman, ça laisse personne. Maman. Comme Tata est venu arranger, maintenant que non, laisse Monique, Tata ne parle plus comme ça, non, laisse, il veut bien couvrir les caca. Alors qu'ils ont chié dans mon direct. Hein. Parle. Tata, je suis vraiment content que tu as pu baisser ton cœur. C'est parce que tous ces jours-ci, Monique, à nous, tu sais, moi, avec tes photos, doit être fait de jolies poses. C'est ça qui va tuer ma femme, comme ça, là. Ma femme, elle n'a pas détruit ça. Tu as menti. Monique, tu crois que les gens sont bêtes? Non, moi, je ne veux pas dire. Pardon, papa, Monique, par rapport à ma femme, mais moi, je n'ai rien à pas foutre. Moi, je pardonne parce que, au fait, même si, moi, je vais dire ma pensée, Monique, elle peut même si on l'avait envoyé de venir m'exprimer, elle est venue, elle m'a aimé. Elle m'a aimé sincèrement parce qu'elle n'a pas jamais piégé. Elle n'a jamais piégé. Elle n'a jamais fait un truc que je me suis senti, en danger, comme elle est en face de moi, j'aurais même peur qu'elle m'a dit devant les gens. Il n'y a rien. J'ai même monté nos conversations, on ne cause pas beaucoup. On n'a même pas eu à côté, Monique, on n'a même pas eu à côté deux, trois fois. Hein. Donc, si quelqu'un qui venait m'espionner, elle devait être en contact avec moi tous les jours. Elle devait m'appeler, me savoir comment je suis, machin, rien. Donc, si j'ai pas eu la pire que mes dons, c'est-à-dire que si elle avait peut-être les mauvaises intentions, elle aurait pu m'envoyer. Tu vois, non. J'ai dit qu'on est pas Monica Jazz ici. Je ne veux pas ça. Allez faire ça chez vous. En tout cas, les Lolomanias, les abeilles, tout cela, on a compris. La paix est déjà revenue. Monica a expliqué ce qu'elle avait expliqué. Monica, n'oublie pas de faire ton direct. Ne lâche pas. Non, elle va faire son direct avec la dame de la Monica, quand tu vas aller te lâcher avec les gens, tiens, le Lomania, de 200 euros dans une soirée. Non, le Lomania, tu fais pas traiter le Lomania, il va respecter le loup qui l'a envoyé. Ma vendeuse de terrain pour donner l'argent à toi. Ma femme. Femme repassée, repassable. Ma femme, femme chieuse du sang, ma femme, tout ce qu'il y a de mauvais, ouais, c'est toi. Repassage, toi seul, ma femme voleuse de 3000 euros, escroqueuse des gens, qui veulent faire venir leurs enfants à la sueur de leur front. Ma pam, pour aller nourrir les gigolos. Ma pam, chieuse de sang. Ma pam, 550 personnes. Ma pam, tout ça, c'est pour toi seul. Ma pam va te purger. Parce que ton ventre, c'est ma pam. Yay! Non, Tata, là, ton ventre vraiment n'est pas le magasin. On peut être comme... On peut être mauvaise comme ça. C'est-à-dire, rien, cette finale, en rien cas, de bon. Ça bulle à la team de vérité, hein, ça bulle. Ça bulle en vrai. Ça bulle. Mais c'est de ça qu'elle voulait venir calmer, tu es encore venu me ramasser un jong. Non, c'est la team là, que c'est pour ça qu'elle parlait. C'est vous là-bas, je dis pas dedans, moi je dis pas la team. Mais c'est ça qu'elle voulait parler, tu es encore monté, c'est moi me ramasser. Il fallait dire qu'il fallait poser que team de vérité, moi je suis pas dans la team de vérité, je suis team Lolomania.
Mais c'est toi, tu prends toujours trois, tu prends trois tutelles personnelles, c'est ça le problème. Tu vas écouter jusqu'à la fin, ma soeur. Vous êtes mes alliés, mais je suis pas la votre team. C'est tout. Team de VT qui est déjà déserté là-bas, maman. Maman, le désert. À moi, le désert, moi, le désert, le désert. Les gens désertés, maman. Le team de vérité est toujours là avec le PDG, la vraie team de vérité, les vrais véridiques sont qui si nous les membres de la team de vérité, non, si nous les membres. Il y a rêve, il y a mort. Regarde, La preuve, voilà la team de vérité qui est partie, qui est venue ici dénoncer. Je parle en tant que membre de la team de la vérité. C'est la désert dedans. On est dans de la team de la vérité. Si. Rêve bien. Si. Toujours. Oh, oh. Toujours. C'est papa. Voilà. Donc, tu connais même tout. Comment tu demandes encore? Non, toi, tu as la vie. Et Bolivar, quoi, les dames? Non. Bolivar, c'est qui? Donc, on va nous laisser les anciens noms d'Aquala. Hein. C'est comment tu nous amènes les anciens noms qu'on a oubliés depuis. Elle a déclassé. Les filles qui sont dans les boîtes de nuit, à Safari là-bas. Du Cameroun et du Dama. Il était sympathisant. Il n'était pas de la vérité. Du Cameroun. Mais il était sympathisant. Il n'était pas de la vérité. Du Cameroun était de la team de la vérité. Non, il était sympathisant. Il n'était pas de la team. Ça fait même longtemps que je ne l'ai pas eu. Il était au deuil avec nous là-bas. Vous avez maintenant une bonne team. Elle est sympathisante. Elle n'est pas de la team. Mais tu demandes, je réponds, non, Tata Lolo, je te réponds. Elle est sympathisante, mais elle n'est pas de la team. Non, elle est sympathisante, mais elle n'est pas de la team. Ok, c'est bien. Qui encore? La team, c'est nous que tu vois. Nous sommes quatre. Ah, vous êtes quatre. Oui. Parce que vous avez appris qu'il y aura la tontine, non? Il y aura les réunions, les anniversaires. Les non, on n'a jamais parlé de tontine. On a dit qu'on a l'occasion de se croiser et boire ensemble, c'est tout. Mais quoi tu es dedans? Elle est sympathisante. Oui, elle est de la team de la vérité. Oui, elle est de la team. Elle n'est pas sympathique, elle est de la team. Même quand tu es la team de vérité, ma. Oui. Et elle va dire qu'elle est Lulumaya. Elle est dedans. Elle est dedans. Va, Nathan, tu es de Lulumaya, ma. Parce qu'elle va dire qu'elle est Lulumaya. On va dire qu'elle est team de vérité. Mais on va être Lulumaya et la team. Moi, que je suis les deux. Lulumaya et la team de la vérité. Ouais, ma fille Monica, elle est un peu déstabilisée, maman. Moi, je t'aime, Monica. Moi, j'ai mis une seule fois. Et Monica, il faut prendre soin de toi, tu connais ton état, donc il ne faut même pas prendre ça, tu m'appelles, ne mets pas les organes. Non, la façon qu'on faisait aussi, c'est normal qu'elle mette les organes, qu'elle soit déstabilisée parce qu'elle n'a pas compris. Ouais, mais elle n'a pas compris. Maintenant, c'est bon, elle va se reprendre. Vous dévoiler, parce que même son mari peut ne pas être content de nous à un moment donné. Comment ça a commencé, ma... Quand j'ai refusé d'aller clasher la mère des Bobos, elle et moi... Elle n'a même pas honte. Elle envoie que tu pars clasher. Elle vaut la mère des Bobos. Elle a dit qu'elle a la mère des Bobos debout. Vraiment. Maman, une fille qui vit dans le 16e avec deux enfants, deux couples. Elle et moi, nous étions en froid. Et puis, la mère là aussi que j'avais pris ses 500 euros m'envoyait les bombes. N'était pas les pays. La mère, les enfants de la mère de Bogo s'habillent seulement chez Kenzo. Mais pas Kenzo, les grandes marques. Hein. Ah non, c'est pour le côté la mère du paquet de ses enfants. Vas-y, les enfants de la mère de Bogo, moi je les ai gardés ici chez moi. Ils ont dormi ici avant les histoires des réseaux sociaux. Quand on parle des filles, ma femme peut se lever et parler de Patricia. Bah, elle est malade. C'est pas comme ça. Vas-y alors, Monica, dis-nous ce que tu avais dit. C'est toi qui as toujours comme ça. Elle et moi, nous sommes restés en froid. Et puis, la mère là, que j'ai pris ses 500 euros, elle m'a envoyé aussi la malédiction en fait. Donc, j'ai commencé à couper les ponts un peu.
Je vous jure sur tout ce qui m'est cher que sur mon ventre que ma femme a souhaité de pourrir. Quand? Je suis enceinte. Mais elle a fait une vidéo où elle a souhaité mon ventre de pourrir. Mm-hmm. Alors, ma femme m'a contacté quand j'ai relancé le commerce des parfums. Mm-hmm. C'est là où elle m'a contacté. C'est là où on a repris contact, je veux dire. Mm-hmm. Parce qu'elle voulait les parfums. Et quand on a repris contact, elle a voulu, elle est revenue comme avant pour dire que les gens ne l'aiment pas si je l'aide vraiment. En aucun des cas, ma mère, je t'ai fait les cadeaux. Est-ce que tu as suivi ça chez ma femme? Non. Jamais. En aucun des cas, je n'ai dit à ma femme que comme tu vois là, j'ai envoyé les cadeaux à Tata Lolo ou bien quoi que ce soit. Non, en aucun des cas. Donc, elle voulait de l'aide, en fait. Elle voulait les parfums, elle voulait la marque, elle voulait aussi choquer Fleur de Lille qui, elle avait son, elle a son macabo depuis, et puis le couple me sent. Mm-hmm. Est-ce que vous comprenez? Donc, on reste sur l'affaire que, ok, je vais demander la faveur à mes patronnes, à ma patronne. Si elle peut te faire cela, c'est bon. C'est quand je vais parler à ma patronne que je lui rappelle, je lui dis que ma, comme je suis, parce que je voulais l'aider. Elle est venue pleurer. Je voulais l'aider. Je dis que ma, j'ai parlé à mes patronnes. Ma patronne a dit qu'il n'y a pas de problème. Comme c'est ta grande sœur, toi-même, tu connais comment je vends mes parfums, ma mère. Je ne mens pas. Entre même dans ce site. Le parfum de 30 ml, c'est 30 euros. C'est 30 euros. Ça va même plus. Ça vaut même plus. Il y a d'aucuns qui vont même à plus de 30 euros. Alors, quand je vais vers ma patronne, je lui dis que c'est ma grande sœur. Est-ce que tu peux l'aider? Elle est aussi dans les réseaux sociaux. Elle est connue. Donc, elle peut facilement vendre les produits. Ma patronne accepte. Ma patronne dit qu'elle va aider Ngosa à lui donner même les bouteilles gratuites et l'emballage gratuit. Qu'elle cherche son logo et qu'elle cherche même 2000 ou 5000 euros. Elle vient, on va lui donner 10 000 produits en son nom. Écoutez bien. Patricia, je vous sauve. Tu n'écris pas ça ici. Patricia. Oui, maman. Ah, je crois que c'est toi qui ronfle. Non. Oh, et ronfle, maman. Maman. Vas-y alors, maman. À son nom. Donc, c'est comme ça que je recontacte Ngosa. Je lui dis que voilà ce que ma patronne a dit. Et qu'elle va même te baisser le prix. Elle, tu vas acheter le liquide, elle va te donner le liquide à 2,50 €. Et elle va te mettre ça dans les bouteilles là. Elle va te donner les bouteilles genre et les emballages genre. Parce que quoi? Tu es ma grande sœur. J'avais présenté Ngosa là-bas comme ma grande sœur. Juste parce qu'elle pleurait. Elle voulait de l'aide. Voulait aussi la marque jusqu'à elle avait le projet que oh quand elle va sortir ses produits elle verra les gens verront ceci cela ça va se passer comme ça donc elle m'a dit donc je lui ai dit que si tu as l'argent apporte viens ici en Sonia Italie. Tu te moques de moi hein? Viens ici en Italie on va chez ma patronne parce qu'on bat le on va le faire tant qu'il est chaud. Viens ici en Italie. Comme ça, même si tu ne parles pas italien, moi, je vais traduire et mes gens vont te donner les produits. Même si tu n'as pas l'argent, moi, je vais miser même 2000 euros. Eux, ils vont te... Moi, je suis ton garant. Je lui avais dit ça. Moi, je vais mettre même mes 2000 euros sur ça. Ils vont te donner les produits et tu vas aller commercialiser tes produits à ton nom. Si elle est honnête, qu'elle le dise. Elle ne peut pas être honnête. Elle ne peut pas dire s'il n'y a pas les preuves. Satana. Si elle est honnête, qu'elle le dise. Elle ne peut pas. Donc, ça oublie. Le mot honnête n'existe pas chez ma femme. Elle a
donc dit qu'elle avait un voyage où elle partait au Cameroun vendre le terrain. Qu'en revenant, elle va revenir avec l'argent pour venir prendre les produits jusqu'à... Mais ma patronne avait déjà commandé les trucs. Elle voulait seulement le logo. J'avais dit à Ngosa que ma patronne demande le logo. Ton logo pour mettre sur tes bouteilles, les bouteilles de parfum et les emballages. Mm-hmm. Non, Monica, toi aussi, t'as vu... Attends, t'attends, s'il te plaît. Donc, Monica, tu as aussi vu la personne sur les réseaux sociaux que tu dois faire les affaires avec elle. Elle a quel capital? Non. Attends, ma, ce n'est pas que je vais faire les affaires. Ce n'est pas que je voulais faire les affaires avec elle. Je voulais l'aider. C'est elle qui a demandé de l'aide. J'ai dit que comme je suis dans une famille qu'ils ont la main sur le cœur, je vais te présenter là-bas comme ma grande sœur. Et tu ne vas pas vendre les produits, leurs produits. Ils vont t'aider à mettre la main. La passion. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'elle est partie voir le terrain au Cameroun, elle est rentrée, t'as fait comment? Elle n'a plus parlé. Jamais. je lui avais seulement vu dans le terrain de Moukena. Moukena me traitait de vendeuse de piment. Elle a commencé à confirmer que oui, c'est une vendeuse de piment et tout. C'est là où j'ai commencé à l'insulter même. Avant de commencer... Puis un peu la cassette. Qui disait aussi, qui acceptait que oui, elle est aussi une vendeuse de piment? Ngosa! Acceptait que qui? Que sa fille actuelle est une vendeuse de piment? Non. Donc, quoi? Quand elle est rentrée du Cameroun, où Mboumkena m'insultait là-bas, elle est entrée dans le direct de Mboumkena. Parce que Mboumkena disait que j'étais une vendeuse de piment. Elle est entrée là-bas dans le direct de Mboumkena. Confirmée que oui, moi je suis une vendeuse de piment, en oubliant que elle et moi, on avait rendez-vous qu'elle vienne donner l'argent, on lui donne les produits. C'est là où moi aussi j'ai commencé à l'insulter, avant même d'aller commencer à soutenir le couple Messan. Voilà, merci. Là, tu vois, elle est en train d'expliquer du tout, on comprend. Parce que la dame, tu voulais la faire venir, si elle n'explique même pas, elle ne pouvait pas. Elle explique que elle était en contact, elle parlait bien, elle a proposé un hospital de manière qu'elle veut faire le business parce qu'elle a vu comment elle avait sorti ses parfums. Elle est revenue vers elle, elle a dit voilà, on va faire les business ensemble. Elle a proposé, la fille a accepté, elle a présenté, elle attendait maintenant l'argent. Elle a dit qu'elle n'allait pas au Cameroun vendre le terrain. Au retour du Cameroun, elle va apporter de l'argent. Mais quand elle est rentrée du Cameroun, elle a viré par autre chose. Elle ne parlait plus de ça, elle est partie plutôt d'insulter. Mais comment vous avez parlé dans les captures de quand vous parlez de glutathion? Je lui avais envoyé parce que quand elle avait vu mes trucs sur Facebook, elle est venue, c'est là où elle m'a contactée. Elle m'a dit que tes glutathion que j'ai vu, ça sert à quoi? Je commence à l'expliquer. Moi, je croyais plutôt qu'elle voulait acheter. Ok. Mais par contre, elle voulait commercialiser. C'est là. Ok. Là où elle me dit qu'elle veut ça pour elle. Elle ne veut pas commercialiser parce que actuellement elle a un contrat avec, comment elle s'appelle, la Gluta. Mm-hmm. Moi, je dis elle ne peut pas boire pour ce qu'elle est gérée. Oui, qu'elle voulait ça pour elle-même. Et que le parfum, elle voulait commercialiser le parfum et que ça soit à sa marque. Ok. Ok. Elle a compris. Elle a confirmé dans son direct là-bas que elle-même voulait les parfums chez toi. Elle-même elle a dit ça. Tu ne mens pas, Monica. Voilà. Parce qu'elle-même elle a dit ça là-bas. Donc, elle a dit ça, qu'elle voulait les parfums. Donc, c'est ça. C'est elle qui m'a contacté pour les parfums, pour avoir les parfums. Elle dit que les gens ne l'aiment pas et que les gens. Le couple Messan ne partage pas ces choses. Elle est même allée plus loin à se confier à moi. Mais je ne. Voilà. Non, c'est Facebook. La viande, c'est tout. Comment tu dis, mais là, tu vas parler. Monica, pourquoi tu n'as pas aussi sorti tes voix? Maman. Non, ce n'était pas dans les voix. C'était par appel, ma. Ah, mais le confinement, c'était que quoi? Elle avait dit que quoi? C'était par appel. Ah, ok. Elle avait commencé
d'abord a dit que le couple Messang ne parlait pas, ne publiait pas ces choses quand elle fait un... Et au moment qu'elle a dit ça, elle parlait avec le couple Messang. Elle parlait avec eux. D'accord. C'est après que ça s'est gâté. D'accord. Oui. Elle parlait avec eux. D'accord. Oui. Là, on manquait même respect. Quand il y a je veux laver celle-là, je connais même sa mère, je connais tout, comment elle a fait pour arriver à Ronde. Voilà. Je vous ai dit que j'ai les audios. Si vous voulez qu'on revienne sur ça, je mets les audios, on écoute, on écrit. Non, mais les audios là, mais pardon, c'est intéressant. Ok. Envoyez les étoiles. Ah, dis donc. Non, mais toi-même, tu as pris goût, hein? Moi, je ne parle pas le Japon, je ne laisse personne, je suis ici là. Mais je ne bouge pas. J'ai dit que je ne classe pas. Je suis ta personne personnelle qui peut te chasser ici. Papa, il est le mania, les abeilles, vous parlez pour eux. Papa, je suis ici. Ouais. Je suis ta nana préférée. Je suis en garde. On commence. On commence. Ok. Vous savez, c'est ma femme qui parle. Ma fille d'amour. Ouais, je n'ai pas les baffes, les travaux. Non, okay, c'est vous bon, c'est là. Bien. Ma fille d'amour. Là, mais mon colo. Mais bon, beaucoup, je m'en voulais. Ma fille d'amour, c'est comment? Je suis à mon colo, je suis en train de faire les courses, je rentre aujourd'hui. Là, on manquait même un respect. Quand elle est, je veux laver celle-là, je connais même sa mère, je connais tout, comment elle a fait pour arriver à Rome. Mais je dis, comment tu peux dire que je ne te manque pas, tu ne me manques pas le respect? Dis-lui que, dont elle a envoyé, je ne sais chez qui. Non, dis-lui que je connais sa mère, je connais même son arrivée à Rouen. Donc, c'est elle qui demande à Monica Jazz de dire les choses. Voici ça, non? Kahala. Dis comme ça. Pour qu'elle parle. Comment tu peux dire que tu me respectes? Dis ça pour qu'elle comprenne. Manuel, vous savez ce qu'il veut dire, Manuel. Mon enfant, dis-lui que mon enfant, donc ma papa déjà l'enfant. Continuons. Vous voulez entendre le Kongosa, donc j'ai évité ça depuis. Manuel, dis-lui que. Que tu vas me laver bien même. Dis-le que moi-même, tu vas me mettre dans la foule. Je voulais que notre plan fonctionne bien. Henry. Non, parfait. Ma pépé, elle est comme si ça c'est Monica. Elle est comme si elle est folle. Lolo, c'est de toi qu'on parle. Ma la mère là, écoute bien. Si elle est folle. C'est pas elle veut me monter, t'insulter, maman, je ne peux pas. Ça, c'est Monica Diaz. Mm-hmm. J'ai bu, j'ai saoulé. Je suis pas ça. Elle ne fait que m'appeler sur Messenger. Elle ne fait que m'appeler sur Messenger. Je ne sais pas où elle veut me capter, où elle veut faire quoi, je ne sais pas. Ça, c'est Monica Diazo. Lolo, c'est toi ça? Non, elle appelle Monica sur Messenger. Voilà, vous voulez la vérité. Je vous ai dit que je suis de la team de la vérité. Voici ça. Non, toi, pas la manipulation. Elle veut m'envoyer l'argent. Elle me demande de donner mon vrai nom. Je lui ai dit que. Voilà ça, je détaille. Je lui ai dit d'envoyer l'argent là par Tap Tap 5. Donc, elle cherche son vrai nom. C'est là-bas, j'ai non, la femme là. Voilà, c'est la magie. Tu entends que la femme là. Ou Lolo pipi. Elle a dit la femme. Attendez. Vous avez dit non. Voici ça. En vrai, comme j'ai vu ces messages, j'ai eu peur. Mince. Il y a même mince dedans. C'est mes coco. Si elle m'appelle le soir. Ah,
Je vais l'enregistrer, je vais t'envoyer. Non, la femme là est trop peineuse, est-ce franchement. Que... La femme là. Est-ce que vous appelez Tata Lolo la femme là? Attendez, mais voilà, voilà ça, non? Ouais. Les gens bon, les gens l'entendent, mais ils ne la connaissent pas bien. Maman. Maman. Qu'elle envoie ça, on va manger ça. Alors que ma maman fait le direct ici, qu'on me dit qu'il y a une qui sort de l'Italie, là, je ne connais pas. Mais voilà, qu'elle envoie, on va manger maman. Ça. Maman. Hey. Hey. C'est elle qui lui dit qu'elle envoie, on va manger ça. Donne-lui le nom de quelqu'un d'autre, ne donne pas ton nom. Voilà. Voici ça ici. Non, Facebook, c'est la dimension. Facebook, c'est la dimension. L'étage de l'étage. Ok, ma pépé, je vais chercher le nom de quelqu'un là. Je vais lui donner parce que ma pépé a convaincu sa fille que envoie le nom de quelqu'un, on lui donne l'argent, on va manger. Donc, elle va chercher. Tu avais trouvé, Monica? Oui, ma, j'avais trouvé, j'ai envoyé. Elle a envoyé ça là-bas. On m'a renvoyé ça ici, là. Et ma, pas mais moi, on a mangé ça ensemble. Ok. Écoutons, voilà les vrais audios. Comme ça, en Evignon. Comme ça, elle envoie là-bas. C'est mieux, en Evignon, tap-tap. Dis-lui que c'est mieux qu'elle envoie tap-tap. Je sais qu'elle veut mon nom pour que je lui donne mon nom et garde. Pour qu'elle vienne dire mon nom ici sur Facebook. Non. Elle a dit qu'elle va m'appeler à 16h. Je vais attendre qu'elle m'appelle. Coucou. Coucou. Quand tu fais le direct, fais très attention. Fais très attention. Ne dis pas pédé. Ne dis que pédé. C'est les mêmes audios qui sont sortis quand elle disait à Coco que clash floor comme ça. Écoutez bien. Quand tu fais le direct, elle est le même scénario, Tata. Le même scénario. La même mélodie. La femme, la même fille a de une manipulatrice hors pair. L'homme, tu as tous tombé les dents. Calmant les PD. Ne dis pas que PD. Maintenant, c'est elle qui vient de dire le direct de Monica. Je n'avais même pas partagé. Oui, même pas partagé. Mais je ne peux pas partager parce que si je partage, on va dire que voilà la conversation. Une digale, elle ne connaît pas. Donc fais très attention, la conseillère. Ndidi Vitom, Ndidi Matiel. C'est là qu'il allait même diriger le direct. Hein. Ok. Bon, bah. Toi-même, tu as peur de mourir. Tu as peur de mourir dans ton film, hein. Okay. Ils montrent très attention à nos Facebook a été aillé. Facebook en tant que tout le monde maintenant. Tout ce que tu vas faire maintenant, on guette. Fais très attention. Vas... Le mot sorcière, PD, les mots comme ça un peu vulgaires là. Ouh là là, ils n'aiment pas. N'aime pas ça. J'ai justement les injures en bas ça ou en français, mais à notre largot, non, tu les bombardes avec. Chérie, mais nounou. Chérie, me voici. Je voulais faire le direct. Je suis fatiguée. Même Flo me dit qu'elle est fatiguée. Elle a oublié son chargeur à l'hôpital là-bas. Donc nous sommes là comme ça que c'est demain. Elle est allée à l'hôpital là-bas. Nous sommes là comme ça que c'est demain. C'est demain que nous mon travail. Aujourd'hui, on ne travaille pas. Je suis d'abord très fatiguée. Alors que Thierry n'aime pas, elle devait profiter même faire mon direct bien. Nous, elle est partie dormir. Je devais profiter, mais pas grave, demain.
Mais quand elle est à maman pépé, dans les couvents, il contient mes pères. Il y aura mon monétisation. Ah ouais, Facebook, ah, mais il y a vous. Donc, je suis dans un autre compte. Attends, non. Attends, j'explique bien. Parce que ça, là, ça ne doit pas m'échapper. Mais quand elle est à maman pépé, je dis dans les couvents, il contient mes pères. Il y aura pourquoi ça parle de monétisation. Ah ouais, Facebook, ah, mais il y a vous. Donc, elle a rouge, c'est un compte, elle va faire dans l'autre compte. Pourquoi ça reste doucement comme ça? C'est quoi? Bika, mais l'autre jour dans ton direct, c'était quoi que je t'envoie? Mm-hmm. Tu m'as dit dans ton autre direct que tu avais besoin de quelque chose ici. C'était quoi que je t'envoie? Mm-hmm. Tout surtout, il y a déjà Gouéja monétisation. Faites très attention. Voilà, elle est le conseil pour la monétisation. La pub est tardée. On pointe. Donc, la pub passe. Très pointe. Attention. Soudain, le Facebook. Gourou, pour dire, nous, pour. Il ne faut pas que tu arrives sur Facebook. Soudain, le pain aussi. Bon, très attention, grand port. Voilà, Léana, nous, maintenant, Kinka, les PD, tu n'aimes pas quand on dit que tu es PD. C'est beau, ça, c'est les mots, alors que Facebook, en Gouéja. Voilà, le pain. Très attention. Oui. Oui, j'ai vu sur ta page là. Maintenant, j'ai vu les chaussures. Oui, j'ai vu sur ta page là. J'ai vu les chaussures et les babouches. Oui, j'ai vu sur ta page là. Maintenant, timbre, les babouches. J'ai vu les robes là que tu vendais là. Mm-hmm. Quand je vais commencer à vendre mes habits, un pas n'est pas bien, bah, ça aide. Gratte notre patois. Il faut que tu me montres où je peux acheter les chaussures là-bas. Oui, vous avez le bon cul là-bas. Là. Vous avez le bon cul. C'est ma marmac là. C'est ma marmac en ligne. Ma marmac là. C'est un bon marmac là. Non, quand même. Le Seigneur, on va nous croire. Je suis en ligne avec ma fille marmac. Elle me dit que quand tu es en ligne avec marmac, elle te dit que le Seigneur est. La personne qui a envoyé la vie ne peut pas s'ajouter. Voilà ça. Le Seigneur est Le Seigneur est merveilleux. Tu m'as arrangé un sourire, ma mère. Ouais, qu'il y a maman, ouais, à Bombo. Maman, non, à Bessola. Moi, je ne sais même pas ici. Ouais, à Bombo. Maintenant, c'est que. Donc, c'est quitté de ma mère. Maintenant, c'est grand-mère. À Bombo, maman qui insultait. Moi-même, je n'insulte pas comme ça. Mais quand elle me connaît les mots, puis non, alors. J'ai dit que j'ai. Donc, Bopi, tu as compris, non? J'ai l'homme Bopi, donc Bopi, c'est la lionne. Donc, Bopi, la lionne a dit qu'elle va te demander pardon. J'ai dit jamais. Donc, c'était quand la lionne insultait à l'époque de Thierry, d'Achille. Parce qu'on décrypte. Hein? Jamais. Zéro excuse. Maintenant, non, mais ils sont liés. Elle a dit que jamais, je sais, ouais, excuse, maintenant, elle est en train d'insulter Mbopi. Comme je voulais l'insulter depuis maintenant, je l'ai alors. Elle est moi sur Facebook, mais elle est moi maintenant. Hein. Elle est venue t'insulter ici. Donc, c'était à la période où la lionne insultait ma femme. Oh. Vous comprenez, non? Voilà. 2023. Elle a, là encore, elle a raison. 2023. Comme si vous deviez vous avez des problèmes. Maintenant, je suis assise sur elle. Je vais aller là. Mais tu as compris. Il y a même les gens qui viennent ici. Je les montre. Il est béni. Nous, on a le marché de la. Il y a même les gens qui viennent ici. Hein. Je les montre. Donc, elle répète en français. Oui, ici. Là où tu peux trouver. Parce qu'il y a les Albanais qui volent, non? Les gens là qui volent. Et ils ont organisé, même les Italiens, ils ont organisé
un marché ici pour la nuit. Donc, à partir de 2 heures jusqu'à 5 heures. Et les gens quittent là-bas en France. Moi, je les aide, je les amène là-bas acheter. On a comme il y a ordinateur. Donc, tu trouves les bijoux. Donc, on lui donne des conseils, Maman. Tu peux trouver les bijoux, les ordinateurs et tout et tout. Donc, écoutez. À l'argent, ah non, moins cher. On te donne. Si je te montre ce que j'ai à la maison. Tu vas poser les mains sur la tête et te dire. Oui, mais. On ne connaît pas insulter. Toi et moi, on ne sait pas insulter. Je te jure. Maintenant, qu'est-ce qu'on parle? Mais vite, il y a un cas de glace. Elle dit que la lionne demande les excuses à qui? Elle a fini de l'insulter. Quand la lionne lui a demandé les excuses ici, n'est-ce pas? Elle a accepté les excuses de la lionne. Mais je. Monica Diaz n'a pas dit que la lionne demande les excuses à qui? Elle a fini de l'insulter. C'est comme ça que les Bamlékés sont toujours dans le tribalisme, cette fille. Et encore, maman, c'est beaucoup. Je mets. Mais c'est maman. Après la vie, dit demain qu'elle ne parlait pas mal des Bamlékés. Dans le noir, le joueur porte le nom. Attends, pourquoi ça part? Ça ne parle pas fort. Attends, ça ne parle pas fort. Attendez, je teins. Vous savez que iPhone est trop compliqué. Je teins, je recommence. Et ça ne change pas. Tu encore comme maman. Non, mais je recommence. iPhone est comme ça. Donc, je mets ce que vous n'allez pas écouter, ma. Isaac, elle ne savait pas qu'elle est parlé avec elle s'entendait très bien avec Monica James. Alors voilà, effectivement, c'est ce que j'ai dit parce que j'ai vu l'audio. Voilà, j'ai dit que donc c'est elle la mauvaise personne parce que quand Monica James a détruit la vie de parlons vrai, hein, c'est Monica James qui fait que. La chose de je ne sais trop quoi là que vous appelez Isaac, mais tout ce que ça comporte, bien sûr, qui derrière les gens. Bien et sûr. Aujourd'hui, c'est quoi la sérologie, mon combat. Non, je viens. On était où? Attends. Ouais, c'est bien, mon voix. Mais ça ne marche pas. Je vois. La souris. C'est la mère de Bogos. Elle m'énerve à un point que tu as dit, mieux encore, mais une crème. Vraiment, même si elle va arrêter une jambe, sans qu'elle mette une crème qui va impénétrer. Là, voilà que son visage est devenu le contact. Là, voilà que son visage est devenu le contact. Elle se permet de dire que la mère de Bogos m'énerve, mais encore le visage. Elle est très belle. Ça pour le monde, ce n'est pas propre, ça monte trop crade. Demain, ma femme, je vais t'afficher avec la mère de Bogos. Je vais mettre la photo de la mère de Bogos où elle a laissé l'audience. Et je te mets où tu remplis le filtre. La mère de Bogos, Patricia, ne met pas. Nana ne met pas. Elle est naturelle. Toi, tu es obligé avec les boutons qui soignent, tout soigne sur toi. Chouane. Ça là, je ne la connais même pas, mais je ne connais même pas le nom de son mur. Voilà. Je ne suis même pas les filles là, vrai. Celle-là, elle ne suis jamais même allée dans son. Je ne connais vrai, elle ne connaît. Jodel est la mère des Bogos. Elle ne connaît pas. Non. Après, demande que son nom, c'est qui? C'est la mère des Bogos. Écoutez. Oui.
Ma tête, je ne l'ai pas retrouvée. J'ai tapé que la prise est beaucoup. Je ne l'ai pas vue. Non, mais rien ne reste ici jusqu'à vendredi. On peut manger, on est fini. En moins 50, tu vas te prendre pour manger au restaurant. Il faut 50 euros, toi, grand frère. Ils sont chiches jusqu'à. Rien pour amener au restaurant. Je m'en prie, frère. J'ai dit que. Pourquoi tu me cherches? Je t'en collègue, le blanc. Tout le monde fait. Bon, ça, on ne lâche rien. La team de la vérité ne lâche rien. Moins 500 audio, 500. Le jour où on a dit que feu, même si vous avez dit 500. C'est bien. Pat, qui a vu la partie là? Attends, je vais mettre l'eau pour la route, comme ça on dort bien un peu. Je sais pas la carrière aussi là. Moins 50 euros, c'est tout. Une ingrate comme ça. Regarde comment elle finit toutes ses relations. Maintenant, c'est Monica. Ils sont chiches jusqu'à. Les noirs sont trop violents. On va commencer un peu ceci. Quelqu'un avait l'homme dans la maison, hein? L'homme qui nous fatigue. Mon homme. Qu'est-ce qui se passait cet homme-là quand tu demandais ça? Écoutons un peu. Quand tu demandais ça, tu n'étais plus amoureuse? Il faut que tu me cherches ton collègue, le blanc. Attendez, je vais vous faire écouter un autre là. Je cherche, j'ai pas envie de faire écouter. Comme disait Tata Naya, il y a tellement des audios que de fois tu n'as pas envie de faire écouter. Tant qu'on t'a pas donné le feu vert. Le blanc. Eh, répète, le blanc. Donc, ça. Ah oui, du blanc. C'est quelle la neige? Elle a la voix là comme une bandite. Le blanc. Le blanc. Il y a tellement. C'est comme si vous aviez préparé ça ensemble. Tu n'as même pas encore fini. Parce que la langue. Non, tu t'es un jambe à l'angala, non. Elle me tend les nerfs seulement, tu ne peux pas savoir. Quand il s'agit de son problème, non. Il y a des gens qui n'ont même plus à comprendre. Donc, ma femme, ton combat. Nicole, ton combat, exactement. Ma femme, c'est quoi? Sa femme, c'est son combat. Amout, sa femme, c'est son combat. Maman, il y a trop les gens avec les combats. Ali, mon combat. Non, pas les combats, pas Kata. Isaac, c'est quoi? Il va dire que vraiment quand on envoie la il a couru, il peut réussir jusqu'à. Il fait quoi? Tout ça pour 50 euros. Donc elle exige, mais elle n'a pas pu retirer l'argent qu'on l'envoyait. On doit la payer en euros. Et dans tout ça, elle est partie. Elle a voyagé avec son homme, mon homme. Mais il demandait l'argent. Seigneur. Ouais. Ok. Tu es sur alors une bosse ici, comme on n'a pas d'autres autorisations, on va m'expliquer seulement. Attends. On m'a attendu. 500 bosses. 500. On te croit parce que le tour, c'est. Ma femme laisse seulement les bosses. Ma femme ne sait pas écrire, elle ne sait ni lire ni écrire. 550. Autant d'années, elle parlait avec quoi à ton avis?
Avec les boss, autant d'années. Voilà. Donc, tu peux imaginer le nombre de boss qu'elle peut envoyer. On est d'accord? Oui, bien sûr. Mm-hmm. On l'avait bien repassé ici. Elle fait comme Monsieur Barré. Elle change la voix, elle devient bébé, elle fait pitié. Ma pam, chérie, un homme, chérie, ma chérie. Il va me tuer. Pas ça, pardon. C'est pas le feu vert. Je cherche encore une autre. Attends, je cherche une autre pour la route. Pour te souhaiter bonne nuit, Tata Lolo. T'es parti, oui. Maman, il y a les boss de Tata Na. Tata Na, tu dois avoir les mêmes boss si, je pense. Ouais. Mais c'est toi qui as commencé à mettre ça, mais. C'est que Tata Na, j'ai peur d'appuyer sur un way qu'on n'a pas encore donné. Non, mais non. Mais elle, c'est ma épouse, là-bas, c'est ta co, maman, ta co, alors après, ça dure. Non, ta co. Après, ils vont dire que c'est la vieille boss. Ta co, ça fait pas longtemps que tu te réconciliais avec elle à l'époque. Tu restes, tu demeures la Numba Uno. Hé, hey, maman. Là, il y a la Numba Uno. Alors, c'est bon pour aujourd'hui. Il y a la Numba Uno. Même les voix où elle se gâte, au moins le voix, ça me fait tout rire. Pardon. Donc, il essaie de demander à Numba Uno. Donc, ce gars, il vous dit qu'il y avait un coup d'état, ils sont quoi qu'il blaguait pour la Numba Uno. Il y a même un peu lui dit que c'est gâte. Moi, je veux la partie, moi, je veux la partie. Elle demande 50, elle est partie en train d'appuyer pour chercher là. Non, j'aime tout la partie. La fille a la voix qui partit dedans. Voilà, ça. Attends, Lulu, attends. Voilà. Ta petite soeur, tu vas ici là. Et tu sais où elle devait caler? C'était en Turquie. Hein. Parti à son gars, soit disant qu'il part en voyage en amoureux. Ils sont arrivés là, l'argent est fini. Ça n'a même pas fait 2 minutes. Non, elle était partie acheter 3 ceintures, je me rappelle. Coucou, mon grand frère. Voilà ta petite sœur qui l'a fait. Tu vois, c'est d'anciens amis de là-bas. Tu as tout compris. On avait promis un costume. Moi, 50 euros, ta petite sœur pour manger au restaurant. Ouais. C'est le soir, grand frère, qui peut me tuer. J'ai dit qu'elle pouvait être tuée. Voilà, la vidéo, je me fais tuer. Je suis là jusqu'à vendredi, en tout mon argent, c'est fini. Moi, c'est quand tu vas faire une petite pomme, manger au restaurant. Vous mangez au restaurant, avec le gars, hein. Avec le gars. Non, parce que ça va bien. Attendez, vous explique. La précision vaut la peine, parce qu'on écoute les voix, mais il faut mettre le contexte du voix. En fait, elle est partie en Turquie en amoureux avec le gars qu'elle nous saoule ici sur Facebook. Vous comprenez? Non, parce que dans la vie, il faut être, tu vois, il faut mettre. On écoute le boss, mais il faut savoir où le boss parle. Bon. Cher Congo 6, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que ce boss-ci, ma part a pris son jus. Elle a amené en Turquie pour lui mettre plein la vue. Arrivé là-bas, ces petits miens qu'elle avait pour acheter ses 3 ceintures, l'argent était fini. Maintenant, elle appelait son grand frère chéri de l'envoyer dans les 50 euros. Et quand elle appelle son grand frère, elle insulte d'abord son gars, quel est le vieux père avec qui elle est ici. Donc,
C'est parti. Il y a certaines personnes bien ta vie, comme on disait tout à l'heure. Maintenant, bon, maintenant, il faut toujours bien expliquer. Parce que Monique a dit, c'est comme ça qu'on s'est trompé, on est tous tombés dans le panneau. Donc, il faut souvent bien expliquer parce que ma pensée est manipulatrice. Maintenant, le deuxième vol, c'est quand elle a reçu maintenant de l'argent, il faut maintenant remercier la personne qui a envoyé de l'argent. Écoutez. Le blanc. Donc, quand elle a eu l'argent, elle s'est sentie, elle s'est dit, tiens, j'ai un homme qui ne me sert à rien et on est calé ici. Donc, si mon grand frère plus de l'argent pour manger avec cet homme, c'est mieux qu'il me trouve un blanc, je quitte moi dans ce genre de trucs-ci. C'est ouais, dit donc à son grand frère. Les noirs sont trop violents. Voilà. Les noirs sont violents pourquoi? Parce qu'on avait repassé, en fait. On avait repassé. Ma femme aime les blancs. Elle avait un blanc là, si c'est à perdre. Non, ça, c'est pas important. Bon. Elle nous a énervé. Non, je vais entrer dans le direct des rêves. Je vais tout balancer. Ça sort pas. Oui. Parce que comment il a bien fait quand même. Ça devient déjà trop. Miji, Coco, Miji, Apone, Mona. Miji. Miji, oh. J'étais appelé, tu n'as pas pris. Bon, on fait comment, non, les dames? Wow. Maman, je suis fatiguée. Maintenant, je suis pardon, je suis belle. Que d'abord, je suis belle. Je suis celle là dans les directs. On va tous bon, je vous laisse. Place. Oh. Ciao, passez une bonne soirée. Bonjour, voilà, maman. Bye. Bonjour. Mm-hmm. Pat. Oui, maman. Pardon, je sors du voyage. Ma... Maman, après, tu es un pente. C'est le voyage en amoureux, maman. Non, j'étais à Château-Thierry. Mon mari est malade. Ah, ok, tu étais à l'hôpital. Mm-hmm. De toute façon, on se compte tout à l'heure. D'accord. Ah, bisous. Bisous à tous. Bisous à toi. Bon, ben, je pense que vous avez écouté nos directs. Donc, voilà. On a essayé d'établir la vérité. Il y a des audios. Donc, ces audios ne s'adressaient pas à Lolo. Parce que, honnêtement, il n'y a aucun nom qui sort de Lolo là. Donc, ces audios concernaient une dame qui va passer dans le direct de Monica Diaz pour raconter sa belle histoire. Monica Diaz et Ma Pam ont escroqué la dame d'autrui. Parce que la dame voulait faire venir son enfant. Ma Pam a escroqué 3 000 euros. Et après, elles ont organisé, juste envoyé un numéro de téléphone pour faire le tap-tap 5. Et c'est comme ça qu'on a escroqué encore l'argent de la dame. Et elles étaient en train de se moquer de la dame à deux. Tout ce que je peux vous dire dans cette histoire, c'est que Monica, Dieu vous voit. Hein. Tu es ma petite sœur, mais Dieu vous voit. Quelqu'un ne peut pas souffrir avec son argent et vous venez escroquer ça juste à vous moquer de la dame. Dieu vous voit. Elle va venir expliquer ça. On voit déjà, tu n'as jamais traité quoi que ce soit avec Lolo. Ma pas mettait dans la manipulation parce qu'elle croyait que tu n'allais pas sortir ou qu'on n'avait pas les originaux des voices. Donc aujourd'hui, ça serait la vérité qui détruit toujours le mensonge. Et merci au Lolomania, merci à la Poutine, et merci à la team PDG et aux internautes qui ont cru à ce direct. C'était pour établir la vérité, parce que ça m'a vraiment saoulé, ça m'a fait bizarre, mais c'est quoi cette histoire? Juste à ce que j'ai la vérité entre les mains. Vous savez que moi, je ne sors pas tout le temps, je sors quand il y a du vrai. Sur ce,
Portez-vous bien et merci aux gens qui ont envoyé les étoiles. Merci infiniment. Passez une très bonne nuit. La vérité, mon combat. Ali, mon combat. Voilà. Portez-vous bien et à très bientôt. Bisous. Je vous embrasse. Merci.